À tous et bienvenue pour ce Banter Blitz exceptionnel, le dernier de la série de mes champions de France jeunes, enfin, mes champions de France jeunes, euh, nos champions de France euh, jeunes. Donc, on a aujourd'hui le maître fidèle Simon Lamaz qui a été champion de France moins de 16 ans. Salut Simon. Salut. Alors, bonsoir à tous. Ah, c'est parfait en plus il dit bonjour il ah, fait ouais. mon job il dit bonjour à tout le monde alors c'est vrai que je vais t'appeler une fois Simon mais maintenant c'est Skimlam je t'appelle Skimlam ah, oui, ben, jusqu'au bout donc évidemment t'es un corpo depuis euh, assez longtemps un an un an bientôt un an je me rappelle t'avoir chatouillé sur le chat pour que tu deviennes euh, ouais, oui. complètement corpo. oui j'ai mis longtemps là. ah d'accord t'as tout des, ouais. as tout dépensé sur Chess24 non pas tout non Merci. pas tout d'accord ok tant mieux <laughs> alors, euh, dites-nous si tout va bien dans le chat si on entend bien euh, notre ami skimlam, qu'on est ravi d'accueillir. évidemment, vous pouvez me défier. vous pouvez défier aussi. Euh, euh, skimlam, donc, sur, euh, sur chess 24. on va évidemment en parler avec toi. je vais te poser plein de questions. vous pouvez évidemment te poser toutes vos questions. tu es en direct de saint-brieuc. oh, oui. la belle ville de saint-brieuc. la belle ville de saint-brieuc. est-ce que c'est plus animé que... Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi je suis pas dans l'autre sens moi Alors là, ça c'est, alors ça c'est la meilleure ça. Tu Je vais devoir jouer à l'envers. Attends. J'adore. Ah <laughs> ça commence très fort. <laughs> je vais je dois jouer à l'envers. <laughs> alors là, c'est quand même. Euh... Oh, je sais plus quoi faire là. Okay. C'est très très bizarre là, ce qui se passe. Attends. Euh... Je joue à l'envers. Bon, on joue à l'envers. Alors, euh, là, je fais ça. Et je fais ça. Et tu es dans le club, évidemment, je vais le rappeler, parce que tu sais que j'y vais ah en ouais. fin de semaine. Ouais, j'ai vu ça. Et euh, j'y vais oui. en fin de semaine à Marseille. Alors, euh, je peux te dire que si je rappelle pas que tu es de Marseille, euh, je, je suis mal. Hein. Euh, le boss, là, il va pas être content. Les boss. Ah, les, les boss. Oh, ça va mieux. Ah. Là, je commençais à avoir mal à la tête, ça devenait affreux ce truc. Alors, je vais prendre. Donc, euh, ouais. ouais, de Marseille qui vient de monter, donc l'équipe Marseille échec qui vient de monter en, en top 12 Tout juste premier, ouais, depuis ce week-end. Top 16, pardon, et ouais, avec euh, l'ami la, la, Heisenberg Ah, avec euh, bah, bien sûr. On a joué à côté pendant toute la saison. C'est vrai oh, Plus ou moins. D'accord, bah, belle équipe, hein. belle bah, équipe de jeunes. Ils ont tout misé sur la jeunesse à Marseille. Mais écoute, ça l'a réussi ouais. pas mal quand même. C'est bien ça, ouais. Ouais. On a mis les, on a mis les points pour cent Ouais d'accord. Ok. Vous avez bien joué tous les deux Ah oui. Bah moi j'ai fait, fait 8 sur 8 en fait. T'as fait 8 sur 8 Non mais je me suis, en fait je me suis retrouvé... Euh, j'ai pas joué plus fort que moi de toute, de, de toute la saison. C'est à dire que j'ai joué au maximum de 1270. Mais j'ai quand même tout gagné. Les... Ah d'accord. Ouais bah c'est beau hein, comme, ouais, euh, comme résultat. Ouais. Bravo. 8 sur 8. Un peu cher. C'est cher. dois <laughs> racheté les matchs ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé oh, C'était un cadeau de bienvenue, je pense. Ah, c'est ta première année à Marseille C'est après première année à Marseille et en N1, euh, Il ah, y a, y a, a un truc là. Il hein. y, y a un truc qui s'est passé, un truc. Bah, non, mais bravo. Non, je plaisante évidemment. Évidemment, franchement, cette époque est révolue. Hein, des trucs dans le jardin et tout ça, hein. c'est fini. Hein. C'est fini ces histoires de Des problèmes. Faut, faut, faut que j'arrête, faut que j'arrête parce que si me regardent à Marseille, je vais me faire recevoir. Ouais, euh, Assez mal recevoir. Et salut à Toto et Nineta, qui est là. Elle est championne de France aussi, t'es au courant Ouais, elle, elle m'a pris, pris ma coupe d'ailleurs. Elle me l'a volée. Elle t'a volé ta coupe. Elle est championne de France 2023. Ah, déjà Ouais. <laughs> si, si. Oh. Si, si, junior. Toujours pareil. Championne de France 2023 junior. C'est annoncé. Hein. C'est ah. ici, vous avez l'exclusivité du truc. Hein. Alors par contre, il faut que je me dépêche, parce que je sais que notre ami euh, Sweet il Harmony, il bon. joue vite et bien. Il est bon, à a qui ce qui peut aider ouais il est bon à soirée un peu comme moi hein, on a à peu près les mêmes qualités ouais c'est vrai d'accord je te remercie <laughs> et on va pousser tout ça il va faire ça maintenant ah j'ai pas vu j'ai pas voilà. vu venir ce truc ah j'ai 4 je l'ai pas vu venir non plus mais je vois pas euh, je vois pas venir grand chose je vais essayer d'échanger les dames oula la dame prend pas vu non plus je me fais exploser là on est d'accord euh ouais ouais d'accord ouais. euh, je te remercie ouais je vais pas te mentir Ouais. Attends, c'est quoi On va mourir le ventre plein. Oula, roi D8, il y a Fou B6, tour C7. Allez. Bon, en pion, c'est en Ah. Écoute, c'est pas je mal comme sacrifice de qualité. Honnêtement, j'aurais joué roi E7, je pense. T'aurais oh, joué roi E7 euh... Mais t'as un fou, on va devoir jouer. Skim l'âme, <laughs> si vous voulez le défier. Ouais, c'est. Ah oui, il y a le championnat de, de France de Blitz aussi. Tu le joues, toi Non, je ne pas trop. Pas trop, c'est-à-dire c'est-à-dire que je vais pas pouvoir le faire. D'accord. Pas... plus de peine que je vais faire cet été déjà. Euh... Pas du tout en fait. Ouais. Là, il y a KB5 oui. que j'ai pas vu. Oh là là je me, fais... je me fais rincer dans cette partie. Je suis obligé de faire des 6 hein, sur euh, KB5. Oh C'est un cauchemar. C'est joyeux. Il peut prendre G7. Ah, il peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Hein. S'il prend G7, je crois que je suis obligé de reprendre. De toute façon, il est bon la souris en plus. C'est mauvais pour moi. Non, il y a du rajout ou pas euh, Non, il n'y a pas de rajout. Il joue jamais sans rajout contre moi. Il n'est pas fou, euh, Sweet. Bah, normalement, le rajout est pas censé euh, l'avantager. Mais bon, là, il se trouve que dans cette partie, euh, ça aurait été un plus pour lui, effectivement. Allez, Roi Volant, c'est ma, ma dernière chance. Hein. Ça, c'est clair. Ah, ouais, bah, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure du Roi Volant. Allez, on, on le tente. On le tente pour venir ici. On va faire ça. Hey oh, c'est pas, pas fini, hein. Oh, c'est pas fini, mais pas du tout. Je euh, suis presque mieux là, avec mon roi volant. Mmh. Ah, je vais me faire mater. C'est ça là. C'est le, dé le défaut de la stratégie. Euh... Du roi volant, d'accord. Ouais. Tu vois un défaut de la stratégie du roi volant, toi Ouais, exemple, es bien, T'es bien le premier. J'ai longtemps à trouver. Alors, un petit échec pour voir s'il a l'œil... Euh... Ah, il voit les tactiques. Ah ouais, infernal. Ça triche. Tu crois que je flag là ou pas oh, Sans aucun doute. Bah, plus maintenant. Oh, mince. Aïe Ça, ça c'est vite. Quand euh... je fais là Ah tu m'aides pas beaucoup, hein euh, Je dois t'avouer <laughs> Il est là, il regarde passivement je voudrais, Vaut mieux que je te laisse se concentrer. Ouais. Ouais. Ouais, t'avais raison, il joue vite. Cette soirée commence très mal, mon cher Skimlam. Est-ce que t'as des défis, toi Je vais voir ça. Défiez ce qui n'hésitez pas. Allez, on va faire un truc random. Alors Ah, j'en ai un de Seba Bon. J'accepte. Ouais. Euh, ouais. bah attends, j'en je joue, ah. joue une autre contre Oops Kitty. Ah. J'en perds une autre et puis, puis voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions. On va dire un petit bonjour sur YouTube aussi. Euh, sur YouTube, maintenant c'est bien. Le salut Laurent, il n'y a pas de son. Si j'ai lancé, ça marche bien. Et le son gelé. Ok, tant mieux alors. Désolé, désolé pour ça. Euh, J'ai fait une petite bêtise hein, en commençant le show, mais là, je crois que, je crois que tout va bien. J'étais un peu en retard, comme euh, ce qui me l'aime pour en attester. Donc, Marseille, euh, l'année dernière, bienvenue. Donc, en fait, tu es toujours à 100% avec Marseille. Vous êtes toujours en Coupe de France ou pas euh... <laughs> Ça, c'est autre chose. Ça, c est autre chose. On n'est plus en Coupe de France. Vous avez perdu Ouais, je joue à 16. On dirait pas que c'est ma faute, mais c'est ma faute en vrai. Parce que je joue à 19 et j'ai perdu. T'as perdu contre 19, ça C'est pas terrible. On va rappeler ton... T'as combien d'élo là euh, 2369. Donc un peu plus avec ce que j'ai gagné ce week-end. 2369, donc à 16 ans. Tu es champion de France. On... J'ai 16, 16 ans dans deux de semaines. T'as 16 ans dans deux semaines. Quel dernière bel âge. D'accord, magnifique. T'as objets... combien de normes de amis J'en ai deux et j'ai passé 2400 déjà. Ok. Donc, euh, c'est la dernière qui me reste à faire, là, bientôt. Donc, c'est quoi C'est quoi le programme de cet été Ah, tu veux, tu veux des exclus sur mon. Ouais. Tu veux des exclus On veut ça. Je vais commencer par, par la Plagne, sans doute. La Plagne, magnifique. Ça, ça a l'air pas mal. Après, Vojanis. c'est assez sûr. Avoine, sans doute. Même si, comme ça commence à être plus loin, on ne sait pas encore. Et après, éventuellement, euh, Albi, peut-être. Ah, peut-être, Albi, magnifique, venez nombreux, Albi. Ça va être Mais un beau tournoi. Il va falloir que, que je, que je vois ça avec la, la fameuse banane. Ah, tu veux partager un hébergement avec banane Ce ne serait pas la première fois. J'allais <laughs> bordel... <laughs> eh ben, Eh remarque, euh, en fait, tous les soirs, ils te montrent, c'est parti, ça te le moral non, ouais, non c'est bien. Non tu te dis finalement je joue pas si mal et tout ça, non. tu vois Non, ça te met du. Il a d'autres qualités, il a d'autres qualités. Ouais mais c'est, ouais, sais bien, je, mais je sais bien, j'adore ma petite banane, mais c'est vrai que, ouais tu dois te dire euh, finalement je joue bien quoi, tu vois ouais. Mais finalement je fais je fais jamais d'erreurs et tout ça quoi, non Ça doit être un boost. Ça a pas eu cet effet là. D'accord. <laughs> Peut-être que je joue beaucoup trop mal pour pour même même que banane. Hein. Ah non, oh non, non, ça change, j'arrive pas, pas à y croire. Donc euh, banane, euh, ouais, peut-être Albi avec banane. Donc en fait, on était à jouer aux échecs, en gros. Ouais, je été, c'est plus ou moins ça. C'est ce que je faisais moi aussi euh, quand, quand j'avais ton âge. Ouais. Je passais mes étés à, à voguer de tournoi en tournoi. J'avais pas, euh, pas les mêmes adresses, mais bon. Euh, ouais, ça a ouais, dû changer un peu. Ouais, 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 je te remercie, ce euh, qui me l'a, on va pas commencer comme ça. Euh, non, cette Afrique, -Afrique, Sainte -Sainte -Afrique ouais. ça existe toujours. J'allais à Montpellier aussi. Montpellier Ouais, j'allais à Nice. Non, chez moi, tout ça. Nice et Yann Open. J'allais à Cannes aussi. À Cannes J'ai été pour la première fois, du coup, Cannes. Très belle ville. Ah, bah ouais, très belle ville. Il peu... oh, faut, euh... faut y aller en été, hein, parce que sinon, l'hiver. Euh... Alors, apparemment, on, fait... on m'a recommandé Cannes en février. On t'a recommandé qu'un en février. Remarque, pour le climat, c'est pas mal. Ouais. C'est pas qu'Appel la grande, si tu veux. Il y a une différence. Tu déjà joué à Capel Cette année. Cette année Tu aimé J'ai perdu, ai perdu 30 points qu'au f 10 T'as perdu 30 points C'était une réussite. Il a plu oh, Je vais arrêter avec Capel. Oh, pire. Que tu... Hein Pire. pire. Une tempête. Eh ouais, je une tempête dernière. Eh ouais, ça ne m'étonne pas. Ah, c'est toujours comme ça. Euh, ah, faut, faut que je me calme je vais aller faire un truc dans, dans, dans le nord donc euh, je fais une simultanée euh, je suis reçu ah ouais. un peu par le comité du nord tu vois donc c'est ouais. comme avec Marseille je vais aller doucement sur les vannes ouais, faut parce... faire attention faut te mettre tout le monde à dos c'est je revenir à Saint-Brieuc faire des simultanées ah ouais c'est ça il fait beau à Saint-Brieuc euh, aujourd'hui oui ah d'accord enfin bon si c'est un jour en Bretagne il pleut tout le temps non presque je suis pas. Euh... J'hésite à partir en vacances en Bretagne. Est-ce que tu me conseilles au mois de juillet ou pas Au mois de juillet ça... c'est vraiment pas mieux, mais ouais. Je sais pas, pour découvrir. Ça non, je me prends toujours tard pour les vacances. Alors c'est vrai qu'au mois de juillet en Bretagne, as, euh, bah, euh... tu vas découvrir plein de choses. Il y a de la place. Non, mais est-ce qu'il fait beau ou pas C'est ça la question. Si, oui, il va, il va faire un temps correct. Il va pas faire 15 degrés avec de la pluie. Ouais, non, c'est ça qui me fait un peu peur. Et c'est chaud, hein, contre là. Ah ben là, euh... je, je vois pas comment je me fais mater pour l'instant. Ouais, pour il faut que tu vois comment le mater lui. Euh, Est-ce que je vais là ou pas non. Je vais là. T'es taquin, on sent que t'as pris des cours avec banane. Hein. Il neige en Bretagne en juillet. Non, mais je me suis dit, la Bretagne, j'ai vu qu'il y a des trucs dispo là-bas. Je m'y prends hyper tard, quoi, à chaque fois. Non, mais il y, y a des belles choses, mais faut bien les chercher. Non, c'est pas bien alors, tu me conseilles pas. Je, 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 je vis là-bas, donc je ne suis pas objectif. Bah, tu es en train de cracher dans la soupe là, quand même, hein, un petit peu. C'est possible. Mais je ne vais pas rester là longtemps, parce que je pars en études l'année prochaine. Tu vas où tu, je sais, ça, ça, ça dépend de mes admissions, du coup. Tu as déjà ton bac euh, Bah, je l'ai passé, euh, j'ai pas déjà mon bac, mais... Ouais, ah, mais y, a, as... y a des chances quand même. Non, mais attends, mais ouais, d'accord, mais t'as combien d'années d'avance là ah, j'en ai deux, oui. ça, tu sais pas. Merde. Ah oui, non, je savais pas. T as deux ans d'avance ouais. D'accord. Et donc, bah, t'es un élève brillant, suppose. je suppose. Je, je me dirais pas ça comme ça. Je te laisserai <laughs> le dire, mais je ne vais pas confirmer. Euh, bah, a priori, deux ans d'avance, euh, champion de France d'échecs, ça ressemble à un élève brillant. Tu vas avoir quelle mention là au bac ça, ça bon, J'espère avoir très bien, mais... D'accord. Ouais. Ça, ça dépend de, de la quantité d'échecs que je fais avant le bac. Donc un peu trop. Ok. Bah euh... ouais, écoute, bravo. Hein. Euh, bravo, donc d'accord. Ouais, le bac avec deux ans d'avance. Et tu veux faire quoi comme étude Sans doute un peu des maths, mais. Enfin, c'est le seul truc qui me plaît. Mais... D'accord. Bon, je l'ai eu à Oups Kitty mais c'était chaud. C'était hein. très chaud. Oh là là. Ouais, ah, il m'a fait mal, Sweet Harmonie là. Mais elle commençait mal cette partie où j'ai joué à l'envers et tout ça, mais il a bien joué en plus. Alors là, c'est terminé pour notre ami oups Allez, je te laisse, euh, je te laisse jouer. Et du coup, coup. tu me suis Ouais. Alors euh, slash euh, slash skimlam Lame, je crois. Est-ce est que je prends ta revanche, je prends ta revanche. de prendre ta revanche. Ah, vas-y, fais-moi plaisir. Alors, attends, mmh. t'enflamme pas. Non, je me suis, je me suis gouré. Attends. Ouais, t'attends un petit peu. Parce que je sais oui, il est le truc. Euh... où Je retrouve. J'avais fait un copier-coller tout à l'heure. Et. En fait. Ouais. Là, je peux follow. Ah oui, c'est follow en fait. pour faut, faut, faut mettre le truc follow. Coller et aller. Non. Et là, c'est Heisenberg, ton petit copain de Marseille-Échec. Marseille-Échec, il y a quand même le nez hein, pour recruter les jeunes. Hein. Ah, il recrute les bons, j'espère. Ah bah, J'ai l'impression, écoute, vous avez deux titres de champion de France, hein, U16 et U18. Et en plus, vous montez en, en top 16. Vas-y, tu peux jouer. Allez hop. C'est quand même assez extraordinaire. Salut à tous sur, te, sur YouTube, Waga, Slide à Top, Mr. Jim33. Oh. Les habituels de ouais, je nos amis de, de YouTube, n'hésitez pas à poser des questions à notre ami, euh, à notre ami Skim Lam. Pas grand monde sur ce chat nous dit Piwi59 et oui, il n'y a plus que toi qui... Ah, très bien, Ertnus Carlsen qui est là, qui est un habitué de mon banteur en anglais. Alors on va faire défier Skim je vais faire bosser les jeunes. Oui, oui, hein, dès qu'il y a un jeune qui arrive, je le fais jouer toute la soirée. Sinon, vous connaissez mon nom, mais sinon c'est défier Skim notre ami de Marseille, échec, champion de France, hein, des moins de 16 ans. Euh, tu as fait combien de points au championnat de France C'est points. Cette oh, je... caméra, pro... premier exécu, c'est ça Ouais, premier exéco avec bah, du... Les deux autres favoris, du coup. C'était qui Timothée, Rodafin Antima et Augustin Dran. D'accord, et Augustin, ouais, que je connais, hein, qui... avec qui j'ai joué un match d'ailleurs ici, euh, qui joue pas mal du tout, Augustin, de nos mains d'échecs. Et Timothée, de cannes échec Heureusement, August... Augustin était un peu moins en au début du tournoi. Ouais, de il la... a fait un mauvais début, c'est vrai. Et après, il a tourné. Ça. 42, il a craqué 2, il a monté, mais c'était... J'ai fait, fait la serrure. Ouais. Toto Inetta qui nous dit la crête pour les effectivement la crête mais il faut s'y prendre moi ça me fait peur quand il y a trop de monde en fait. Partir en vacances, normalement je pars dans les Landes tout le temps. Mais là je me suis dit une petite semaine en juillet pourquoi pas tenter notre truc. Mais euh, plus Du coup je, je m'y prends hyper tard quoi. Donc euh, la Bretagne, ouais, faut peut-être pas exagérer non plus mais j'y vais jamais en Bretagne. C'est pas loin j'aime ça davantage je sais pas où t'habites j'avoue mais t'habites à Paris je dirais j'habite à Paris ouais exact oh, c'est pas, pas super loin c'est ça j'ai pas envie moi je j'aime pas hein, partir en vacances hein. euh, une journée aller une journée retour euh, pff, pénible ouais c'est ouais, ça ouais c'est ça tu vois la crête faut prendre l'avion et tout ça faut rester au moins 10-15 jours hein, pour euh, pour rentabiliser le truc ouais et puis, oui, 59 qui nous dit en Bretagne, j'ai vu la canicule. Mais cette année, j'ai oh. l'impression qu'on va... On y a droit à la canicule. Hein. Bon, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu tous les ans. Ouais. Malheureusement. Pourquoi pas alors Selon tes bons concerts, pourquoi pas la Bretagne J'habite 80 rue Hamelot, Toto Ineta qui dit c'est pas... faux, 80 rue Hamelot. Remarque, c'est vrai. Allez, au 80 rue Hamelot. <laughs> un illustre inconnu va se retrouver avec. Euh... Non, ça va être sous, -sous sur sur Sousou, aux 80 rue Amelot, c'est le, c'est les petites canailles. Est-ce que tu peux soit décaler ta caméra, soit tu vois parce que sinon on, on voit ton front qui est, qui est moins, qui est moins est agréable là. que ta tête. Est-ce est que ça va mieux comme ça Ah c'est génial comme ça. Oh c'est extraordinaire. Salut Heisenberg. Oh là là, le voilà. Ah oh là, de voilà, de Limoges. Ouais, oh là la, plus... la, 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 la paire gagnante, hein, la paire gagnante de Marseille, Marseille qui monte en top 16. C'est quoi vos ambitions ouais. pour le top 16 C'est le titre direct Je pas. Oh, oh, pourquoi pas Et regardez ça, ils ont la confiance, c'est beau. Hein Allez, ah, Marseillais. Très, très beau. Allez, jouer le maintien, déjà, ce serait déjà pas mal. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. On ne peut pas rivaliser avec Biche Villière comme ça la première année. Hein. Oh là là. Tu, tu m'écoutes pas du tout. Je suis occupé, euh, je par Twitter Money malheureusement. T'as pas vu f 6 J'avais, j'étais arrêté, je m'étais arrêté bien avant malheureusement. Je ne calcule pas le temps que ça en Blitz. Un jour pour faire assurance à un zimbib. Non mais avez... j'ai vu votre équipe hein. vous avez deux, trois étrangers assez costauds, euh... des Français, euh... c'est qui vos Français d'ailleurs C'est tous les deux. Et après, c'est qui les deux autres euh... Neuf. On a vu cette année, on a vu Sébastien Cossin. Ah, Sébastien Cossin, d'accord. Ouais, je ne connaissais pas avant cette année. <laughs> arrête, arrête, c'est. Arrête ah, tu des. Ouais. C'est il, il y a très très longtemps. Et après Elles avaient Lori, évidemment. Hein, Lori. Euh... C'est ce un secret, je pense. Mais non, mais là, là sur le dernier match, ce n'est pas un secret. Ah oui, bah, on avait Lori. Oui, mais ah, Lori. Laurie... Il y avait qui d'autre contre... Guillaume Philippe que tu Ah oui, Guillaume Philippe, qui est le coach. Ouais, le coach. Ouais. Et Et on a fait jouer David Barroyon. Je sais pas si tu qu en connais. Qu'est-ce que ça veut suis... dire, on a fait jouer euh... ouais, C'est-à-dire qu'il euh, a remplacé les dernières minute. Ah d'accord, il a remplacé, euh, il a remplacé, de ah, il a remplacé qui Ah Tu veux tout savoir Je ne sais pas. Bon, je sais pas, <laughs> pas t'occupe pas de ça. Il a dit qu'il a remplacé le Covid moi je sais pas. Et oui, il évidemment... <laughs> Euh, non, mais a... votre a joueuse points, qui... qui est présidente vice-présidente de la fédération présidente du club vice-présidente ouais, cool. et qui fait des points en plus ouais. incroyable c'est un ouais. peu notre Adil Rami et David oh, mais dis donc. Oh, ça doit être sympa hein, l'ambiance <laughs> ouais, à Marseille ça que, se voilà. chambre beaucoup dans l'équipe ou pas euh... bon, c'est une ambiance conviviale conviviale D'accord. Euh, je, je te laisse jouer ou je reprends une Vas-y, 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 c'est un d'autres défis. Allez-y. Défiez ce qui me lâme. Moi, je me mets au, ah, je je me je mets au... au repos. J'aime bien les banters contre les joueurs marseillais, dit Sweet Harmony. Oh là là, là t'as vu, ça vient ah, changer ouais, aussi. Il est, un... il est infernal. Il est infernal. On rappelle notre ami Sweet Harmony du, du café, Beat Society, il s'occupe de ça avec ses amis. Mmh. Et euh, très sympa. Tu es déjà allé au Blitz Society Non, t'es trop jeune. Malheureusement, non. Que... T'as le droit ouais, d'y aller, hein, mais bon. J'aurais le droit, mais j'ai eu du mal, je pense. Il ouais. faut passer à Paris, hein, ça arrive, non ouais, C'est ça, mais je vais rarement à Paris. Ouais, un peu cher. Hein. <laughs> Qu'est-ce qu'on qu qu fait à Paris <laughs> okay. j'arrête, Je vais... vais dimanche à Marseille. Hein. Je... Un salut ouais, amical ouais. à nos amis marseillais, évidemment, euh, que j'adore. Hein. Donc, euh, j'arrête avec ça parce que ouais, ça, ça a l'air beaucoup mieux pour moi déjà. Ouais, Sweet Harmony nous a, nous, a, nous a rincé ce soir, trop fort. Ouais, il m'a joué. Euh... C'est la vieille Benoni. Philippe Derry qui dit C'est pas fini en français ou j'ai rien compris. Alors, ah. je, je me suis mal exprimé sur mon post. Euh... Facebook ça, ça ça ralentit beaucoup, c'est-à-dire qu'on était à 200 km/h et tout d'un coup on passe à 20 km/h. Voilà, donc en gros, il y a ce show le mercredi soir en français et euh, il y aura les grands tournois et notamment le tournoi des candidats. Ah, je là. vous invite à, à suivre voilà, sur Chess24. Je commenterai a priori je serai seul, mais j'aurai différents invités, je m'organise, je vais essayer de m'organiser. Pourquoi pas les, les jeunes qui m'ont rejoint pour ces banters de temps en temps, voilà. Ça peut être sympa d'avoir des invités, voilà, après la première heure de jeu. Ça peut être sympa. Ah oui. Pour donner, T'y crois, toi Alors, Ali Reza, oh, qui est ton joueur ah, préféré d'abord Qui mon des candidats Non, en général. Ah, je sais pas, moi, j'en ai pas, je crois pas que beaucoup vous... de J'en ai pas, non T'as pas de joueur ah, préféré je... Évide... Évide... Évidemment, je, je me sens obligé de dire le strip dans ce cas Ah bah, C'est le, le quintuple non, non. C'est le quintuple, ouais, c'est le, le quintuple. Évidemment, le joueur préféré de, de tout le monde, le quintuple. Donc Magnus Carlsen, ouais, mais t'as pas vraiment de modèle en fait. Non, 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 mais je... bah, on s'inspire de tout. Faut pas... D'accord. pas... Il, 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 il a... Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre Ouais, j'accorde. Je la mentionne très les... bien. Tant euh, qu'elle va te passer sous le nez, tu vas pas comprendre. Hein. Oh, J'ai déjà fait mon bac de français. Ah, d'accord. Ah oui, série, t'as eu combien 16 et 20. 16 et 20 <laughs> ouais, J'ai bien accordé euh, le jour de l'oral. Oh la vache. Ouais, je crois que c'était la première personne qui me dit qu'il a eu 20 bacs de français. C'était à l'oral, c'était pas, pas à l'écrit. Oui, mais ouais. même à l'oral, tu peux pas avoir 20. Les profs de bah. français ils mettent jamais 20. Bah en fait, c'était... Ah, je... 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 je serais agréablement surpris que, es... que tu maîtrises la nouvelle réforme du bac. Je sais pas si c'est le cas tu ah. <laughs> T'es aussi insolent qu'Eisenberg, je comprends pourquoi vous entendez aussi bien. Non, je ne maîtrise pas la nouvelle réforme du bac. En gros, on a, un... on a un oral où on doit expliquer un texte. Et à l'oral blanc, je suis tombé sur le même texte qu'à l'oral normal. Ce qui m'a plutôt aidé. Non, t'as eu un coup de bol phénoménal. En fait, t'as ressorti le corrigé. Quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Ouais, mais avoir les sujets à l'avance, tu sais, c'est pas une réforme du bac. Hein hein c <laughs> Ça s'appelle de la triche. Et c'est vieux comme le monde. Salut, futur GM64. Ça fait ah. un moment que tu n'es pas venu. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, futur GM. Ah, hey, welcome. ah merde. Oups. On rappelle évidemment ah. que pour jouer, un... ah, là, là. vous pouvez faire un blitz contre Skimlam, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que ça fait toi Je ne joue pas très bien d'ailleurs. Oh, là, là. Et euh, on rappelle, hein, euh, y a, vous avez le code promo TechFresh40. 40%, ah, 40 de réduction et un blitz immédiat contre le sympathique maître chambreur Skimlam qui a donc les dossiers du... Évidemment, il a deux ans d'avance, mais il a, il a tous, les... Il a tous <laughs> les sujets de tous les contrôles depuis qu'il est né à l'avance. C'est pour ça que... En fait, ça aide. Ça aide. Bon, ce que je vais ah, sauver, ou ne pas reconnais ça pas, c'est anciennement Chucky Chess. Il y a du monde qui... Mais ouais, mais... Chucky je vais Chess. Je pas non plus, je suis désolé. Que je vais sauver ça et euh, ouais, Maxime a gagné, hein. c'est vrai que maintenant je me connecte une fois ouais, par semaine, donc allé. effectivement, Maxime a gagné le Grand Chess Tour, bravo à lui. Euh, la première étape, en tout cas, il faut que tu te redresses ou que tu, tu baisses la caméra, là, on ne te voit plus. Je, voilà. vois. Ouais, je vais te forcer à te tenir droit. C'est une malfaite. Et donc, euh, euh, bravo à lui. Il a battu Alireza, notre petit Alireza dans la dernière partie. Euh, il a bien ah, pris sa chance hein, dans son style particulier où il, il joue en contre, hein, Maxime. Ouais, j'ai vu la partie. En Après, fait, tu es en train de me parler avec 8 secondes. Ouais, mais je suis désolé, moi je fais un show. Euh... <laughs> <C 'est> pas... <laughs> je sais, je sais, mais je, je me dis à moi-même que je ferais bien de. Ouais, il a bien joué. En tout cas, il a battu euh, Alireza dans la dernière, ça c'est sûr. Et euh, voilà, il a gagné ce tournoi. Donc euh, bravo à lui. Ça fait plaisir pour Maxime parce que c'est toujours. Euh... Ouais. évidemment une très grosse déception de ne pas s'être qualifié pour les candidats et donc euh, voilà c'est bien d'arriver à à, bah, à gagner un tournoi, un tournoi de élite, hein, clairement, un super tournoi comme on dit donc euh, ça fait plaisir on le verra pas comme je le disais aux candidat on verra notre petit Ali Reza qui a fait un très mauvais tournoi mais oh là, là t'es tombé non, je... je suis tombé, nous... eh, tombé. Ah. c'est matin hein. Oh là là. Dame Détroit était mat. Je me montre. C'était… Aïe, 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 aïe. Ah, est points low. Bravo Ah, Il a bien tenu, écoute. non, mais il a bien tenu. Il est gagnant, je pense. Enfin, je suis sûr d'ailleurs. Bon. On te demande combien tu as eu en espagnol, mais ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Oh là 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 là. Oh là là, bonsoir à tous. On a BriBri25, le super stagiaire. Brivé 25. Brivé 25, tu le connais pas C'est le, le, le meilleur stagiaire de tous les temps à ce qu'il paraît. Il a été stagiaire à la Fédération française des échecs. Ah, oh, ne regarde pas. Je crois que je ne le connais pas. Je... Ah bah, moi, je le connais. Il a gagné un tournoi à petite canaille. Ah non, mais il a beaucoup de. Il est venu une fois et, et il est breton comme toi. Ah, il est breton. Ah, si si si. Si tu l'as rencontré une fois, non, t'as pas pu le rater. Ah, je, je l'ai rencontré plus d'une fois, euh, Bri -Bri, euh... La Alors, la, la on a Ben0, vas-y, tu, tu joues là ou pas euh, Ben, bah je Bientôt. Oui. Tu fais random, hein Fais random. Hein ouais, je fais random temps. à chaque fois. Ouais, super. Ben034, bonsoir tout le monde et bonsoir Laurent. Et bonsoir, c'est euh, ce qui me lame quand même. Euh, toujours aussi drôle, sympa et drôle. Merci, plaisir. Juste pour savoir, le texte c'était quoi Un prof de français curieux. <laughs> ah, vraiment <laughs> Alors c'était quoi je le sais. texte euh... Oula. Je crois que c'était. Ouais, attendez, attendez, attendez. attendez j'ai une précision à donner. À l'a, on lui a pas donné euh, le sujet, on lui a donné que les réponses. Il y avait que les réponses lui à l'avance. Ouais, non, non c'était Montaigne des cannibales. Montaigne des cannibales. D'accord. Ok, super. Sorti de Et... son contexte. Ouais, euh, effectivement. Et le meilleur stagiaire de tous les temps, oui, Mitoto, c'est le meilleur stagiaire de tous les temps. tandis que toi, t'es la meilleure stagiaire de tous les temps. Il ah, y, a, y a un prix meilleur espoir euh, masculin, un prix meilleur espoir féminin, c'est normal. Comme, 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 comme à Cannes, voilà, comme ça. Il tire à balle réelle. Ouais, je tire à balle réelle, mon petit, euh, mon petit bruit bruit 25. Ça longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Ouais, non, mais, 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 je peux pas en dire autant. Non, c'est un titre... Je... Oui, mais tu gagnes. Tu gagnes contre Brubri 25, y euh, étant. Donc tu as un titre... Euh... Tu as le titre mixte, il a le titre masculin et tu as le titre féminin. Pas mal, quand même. De, deux sur trois. Tu ne peux pas tout avoir non plus. Il a eu combien en espagnol, il Demande Carlos Guerrero Pérez. Il n'a pas encore fait. Tu pas encore fait l'espagnol. J'ai pas pris espagnol, moi j'ai pris allemand. T'as pris allemand ouais. ah, C'est ton côté ma. C'est mon côté pas... mon côté teuton. Bah tu sais que dans le monde, on parle plus quand même, c'est plus utile l'espagnol. On suis rendu compte quand je suis allé justement dans la belle ville de Barcelone. Bah oui, c'est bête quand même. C'est quand même. Alors moi j'ai dit à mes filles, hein, euh, prenez espagnol, hein, soyez gentils. Je veux dire, pour les vacances, euh, c'est quand même plus pratique que l'allemand, <laughs> tu vois. C'est comme si tu prends ouais, le breton, je... par exemple, tu vois. Il ah, on se de la pluie. Euh... Bon. Il faut pouvoir parler avec Eldivis. <laughs> Bonjour à tous. Je ne pas Toto. Eldivis. Euh... Non, mais je suis très tu... sérieux. Ciel bleu, euh, elle a fait un super stage, euh, Toto, à Chess 24. Elle a fait deux super stages même à Chess 24. T'imagines On l'a ah, repris. Ouais, on l'a eu cool. une fois, on l'a repris la deuxième fois. Tellement c'était. Ouais, tellement c'était incroyable. Mais euh, merci Skimlam, félicitations à la chance sur les audacieux qui travaillent bien. Mais bravo, bravo à lui hein, euh, euh, Skimlam. Et surtout évidemment pour son titre de champion de France, on rappelle, hein, on a eu coup sur coup euh, le champion de France U18 d'abord, Heisenberg. Euh, Joseph Girel donc de Limoges, mais qui joue au club de Marseille-Échec bien évidemment. Ensuite on a eu Amiral Fio, le parisien Amiral Fio qui joue pour le club de Mulhouse, Jovan Gatineau. Euh, qui a été champion de France U20 et on a la chance aujourd'hui d'avoir donc Simon Lamaze, Skimlam qui est champion de France U16 et je rappelle que je euh, j'ai pas été opportuniste sur ce coup-là parce qu'en en fait c'est vraiment des corpos, c'est vraiment des gens qui sont là tout le temps dans le chat et euh, qui participent à la ou en tout cas qui ont largement contribué à la vie de la communauté chess 24 fr et donc je suis euh, je suis absolument ravi de ces titres et ravi de les accueillir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes organisateur de tournoi, invitez ces jeunes gens à vos tournois. Hein Hein, ce qui me lâme. T'as marre, toi, de sous la pluie, là, à Capelle-la-Grande C'est pas moi qui le dis, en tout cas. Oh là là, Capelle-la-Grande. Non, mais. Il y a une tempête. En disant, il m en ça m'aurait pas tant plus, je pense, si j'avais pas perdu 30 points, l'eau. C'est ça le pire. Oh, T'étais être... logé à Capelle-la-Grande Ou à Dunkerque ouais, à... Bah, Justement, j'étais avec. Euh... Avec Banane avec Heisenberg plutôt. Avec Heisenberg, à Capelle-la-Grande À Capelle-la-Grande Capel même. Le centre historique. Et Dunkerque, c'est joli. Oh, ben là, je suis en train de me griller grave. Mais non, mais D Dunkerque, c'est vraiment une jolie ville. Capelle, c'est un peu petit. quoi. Ouais. C'est mignon. Hein. Très mignon comme ville. Ah hein. <laughs> oh, merde, je suis coulé. Ouais et puis c'est vrai que bah, c'est assez impressionnant quand on voit euh, euh, bah, quand on voit les en fait les parcours à euh, euh, côté par rapport aux jeunes indiens par exemple qui font euh, en gros qui parcourent l'Europe qui jouent toute l'année. Ouais j'en ai vu euh, j'ai pu voir Neil String du coup. Ouais et du coup vous, vous c'est vrai que vous avez des études euh, <laughs> vous allez probablement faire un... pas sûr Marc Amiral disait que probablement pas toi tu, tu verrais quoi. Avec tes 10 <laughs> ans d'avance et ton, ta mentalité... <laughs> oui, parce que... C'est un peu idéal, de Il <laughs> a un peu ça, mais... Non, mais je ne me vois pas faire des chèques professionnel déjà, parce que clairement, euh, faut avoir un niveau que, que j'aurais du mal à atteindre très rapidement, contrairement justement aux jeunes Indiens qui... à enfin, certains jeunes Indiens. Et ensuite, souvent... bon, j'aime bien quand même les mathématiques, donc c'est pas... D'accord, mais est-ce que tu. ouais de toute façon, il faut se faire plaisir dans la vie, hein. donc il faut faire un truc qui te plaît. Hein. Oh ouais, non, je, je, je ne compte pas abandonner les échecs, il sait D'accord, bien sûr. Non, mais je veux dire, comme métier, quoi, tu vois. Je sais pas. Mais qu'est-ce ouais, que tu fais là peut-être bah, donner des cours, mais. Ouais, j'ai un mal fou à trouver. Ah merde, échec. J'ai un mal fou à trouver des élèves, déjà. Tu cherches des élèves mmh. Mmh. 16 dire, ans, ça, tu hein. cherches des élèves Bah, le truc, c'est que j'ai 16 ans, mais. Je crois que je vais. C'est dommage, c'était Archi gagnant celle-là. Oh. Ah, tu veux flaguer Oh, oui. c'est moche. Non, mais... je tombe sur mes pattes. Euh, donc, euh, pourquoi tu cherches des élèves bah, Comme Justement, ça pour, euh, pour commencer, euh, parce que bah. Pour voir si ça te plaît. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est tout, hein, quand même 16 ans. Hein toi plaisir à ah. jouer ouais non mais j'en fait, ai, ai déjà eu une euh, bah, des fois il y a des gens des clubs de mon ancien club qui m'avaient demandé je ça m'avait bien plu c'est quoi ton ancien club on va faire un ah, je... on va dire bonjour ah, le, le Brieux bon. FC non, <laughs> non j'ai joué au... <laughs> à l'échiquier briochin l'échiquier briochin oh super pendant 4 ans j'ai joué à l'échiquier briochin super c'est là où euh... t'as appris, ouais, bah, mon... appris à jouer ouais c'est mon père qui m'a appris à jouer et après, euh... après j'ai été recruté en 2017 par le club du Mans. D'accord. Ok, très bien. Et ensuite Et ensuite euh... Et Marseille. Et Marseille voilà depuis, depuis cette année ça se passe très bien Ah bah t'as plutôt intérêt à dire ça hein, parce que sinon euh... <laughs> dire non que... Mais En toute honnêteté En toute honnêteté Mais même si ça se passait mal tu dirais ça Ouais, non, non. <laughs> Je suis connu pour être quelqu'un de, de franc. Et Slow -So qui nous rejoint, ah le généreux Slow. Oh là là, ça fait plaisir de voir Soixsochlo so -So euh, de retour. Soixsochlo fait... ah ouais, notre, notre joyeux luron du, du chat. Hein. On ne sait jamais s'il a bu un coup de trop ou pas, So. -S -S fait... Enfin vu ses parties en général, on voit assez vite quand même. Hein. Ah, non. il c est, est au front en Ukraine. Il a été très généreux pendant qu'on collectait des dons euh, pour l'UNICEF pour l'Ukraine. À ce so on voyait ses dons à chaque fois. C'était assez, euh... bah, c'est très généreux de sa part. Voilà. C'est bien problème. passé le match. Quel match? Non, ah oui, tu parles. Euh, J'ai fait un match au Blitz Society. Oui, oui c'est ça. J'ai fait un, euh, un match samedi. Euh... Ouais, ouais, je sais pas combien de dons ont été récoltés. Bon, mais la, la France a gagné. Bon, c'est pas le, le résultat est pas grandiose hein. enfin et pas, et pas pas important hein. l'idée c'est de évidemment là c'est vraiment de participer bon je dis ça peut-être parce que j'ai perdu aussi euh, <laughs> j'ai perdu euh, j'ai perdu contre Elianov la deuxième partie fait nul la première bon j'aurais dû faire plus je fais n'importe quoi Soi soyons clairs mais Amiral Fio et Marie Sebag ont fait deux sur deux. ah oui euh, rattrapant les bêtises de Sweet Harmony et les miennes voilà donc, on a gagné, mais bon, c'est anecdotique, évidemment. C'était l'idée. C'était de faire un… un... Voilà, de ne pas oublier, hein, de pas, parce qu'on a tendance, à, évidemment… Euh... Ouais. Bah, c'est vrai qu'on vit avec euh, depuis plusieurs mois. Ouais, ça Donc, fait, un... euh, Voilà, il faut, faut pas oublier. Ok. Est-ce qu'on te voit au rapide de Guingamp ce week-end Alors, euh, moi, non. Ah, c'est BriBri Eh bien, oui, évidemment. Ah, tu vas raser les rapides du coin On peut dire ça comme ça, ouais. T'es à combien de Guingamp Je suis à 30 minutes. D'accord. Oh, tu sais on te qu'on a joué une finale de top 16 en... en... Je... À Guingamp. Je savais pas, je devais être sans doute euh, soit trop petit, soit pané. Oui, bon ben oui, ça va. C'était je... pas, mais... pas hier, c'était pas hier, c'était pas hier, on est d'accord, c'était 2011 tu... je pense, ou 2012. C'est... 2011 Ouais, au de c'est vrai. Euh, Carlos Guerrero, Pérez, qui dit Laurent est plus fort que Pepe Cuenca, à mon avis, c'est kiff-kiff. Bah, à ton avis, euh, Carlos Guerrero, t'es pas très objectif, à mon avis. Hein. Euh, ça, c'est mon avis perso. Hein. J'ai quand même, euh... <laughs> Il faut regarder les piquelos hein, pour voir. Mais même, euh, j'ai toujours eu plus que PP. De toute façon, il doit pas avoir 2600. Regardez hein. le nombre de victoires au Mind Games. Ouais, <laughs> c'est ça. C'est... Alors... Bonsoir. C'est quoi au pronostic pour le match des candidats demande euh, Sebaen. Bah on espère une victoire d'Aliasa. Tu crois toi Victor d'Aliasa ou pas oh, ce que, si on n'y croit pas maintenant, euh... bon, on y croira dans deux ans. Hein. <laughs> si on n'y croit pas maintenant. <laughs> bien Donc... sûr que j'y crois. Non mais, je... mais c'est chaud avec Ding et Carbona quand même. Hein. Je crois que c'est clair, ouais. hein. tout le monde s'accorde ouais. à dire pour que c'est quand même les trois gros favoris. Hein. J'ai bien aimé comment il a joué pour un tournoi pour son tournoi à Bucarest bizarrement. Ouais, alors les résultats n'étaient pas là, mais il a joué chaque partie jusqu'au bout. Il ouais, a pris tous ça. les risques. Ça n'a pas payé. Il, a rien ah, il, voulait, il voulait avoir de la pratique, hein, ça c'est sûr. Mais, mais bon. effectivement, euh, perdre des parties, ça n'a jamais mis, euh, mis quelqu'un en confiance. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Faire ouais. euh, 4 sur 9, euh, bon, ce pas dans ses standards ouais. habituels. Ouais. Je... Taymour n'y sera pas, nous dit Soixo Slow. Ça Au candidat. Enfin, il a signé le contrat en attendant. <laughs> c'est assez, assez subi. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, apparemment, il, a, il aime bien se, se désister, c'est vrai. Mais bon, ce serait quand même. Ouais, ça ne serait pas complètement impossible. Je ne sais pas qui est la première réserve, d'ailleurs. Je sais que ce n'est pas Maxime, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais ça va être Aronian, la première réserve. Oui, c'est le premier au derrière. Ah, c'est pas. Ça aurait pu le troisième, je sais plus. Non, c'est Aronian, et ensuite Aronian a un petit peu euh... finalement souffert hein, de, ce... de ce... ce marathon de Ding Liren pour jouer ah, ses 30 parties. Est... Parce que ah, lui lui et lui. ça aurait été lui Eh ouais, ça aurait été lui. Ah, il espérait. Bah, j'en sais rien, je suppose, oui, qu'il espérait, mais bon. Ah. C'est comme ça, c'est vrai que Ding a joué 30 parties en un mois. Euh, C'est ah, impressionnant, hein. d'ailleurs. Ouais, il a bien joué, en plus. Il n'a pas perdu une seule partie. Il n'en a pas perdu une Ouais. Non. Oh, il y en a gagné beaucoup, en plus. Alors, est-ce que je... Non, que je non on ne connaît pas la réponse à ta question. Si euh, Cielbeu25, il est sympa. Il recrute à échequer et Si ça nous intéresse. Ils sont en... Et tu sais qu'ils étaient en, en top 12, hein Gingampé. Euh, on on m'a raconté, mais ouais. C'était, c'était, c'est une vieille histoire. Tu y, y crois à cette, à cette légende ou pas du, du Top 12 en paix Ouais. Mais c'est même pas si. Je, je me demande si, quand je l'ai commencé, ils n'étaient pas encore. Ah, ben. vas toi. Vas-y, vas-y. Non, non, mais il aime bien jouer. Vas-y. Vas je crois... On doit non, être premium quoi. pour jouer avec le champion. Et Oui, tout à fait, Mathieu T. Et oui, comme ça on peut faire, de plus, on peut faire plus, de plus de banter ah. blitz comme ça. Et euh, voilà, c'est puis accès à toutes les vidéos séries, ce qui est quand même sympa là. Il y a celle d'Anish Giri qui est sortie récemment sur les nouvelles idées sur Anashdorf. dorf. Tu les regardes toi un petit peu ces vidéos séries ou pas Je euh, j'en ai regardé une, celle d'Adrien. Sur. La classique. D'accord. Alors. Très. Ça m'a permis de, de consolider et approfondir. D'accord. Bah, ça ne m'étonne pas. Euh, bon, ça... sur, les sur les trains entre Saint-Brieuc et Marseille, on a le temps de faire beaucoup de choses. D'accord. Ça ne m'étonne pas parce qu'Adrien, il fait toujours du super boulot. Ouais. C'est vrai qu'on avait une équipe de feuilles. Jean-Pierre Leroux, Mathieu Cornette, Pierre Bailey, Kevin Terrieux. Eh bah, ouais. ouais. Et Waga. Euh, ouais, non, c'est la moyenne Hello Waga. Euh, Merci pour la Ouais mais quand ouais. Ouais, quand j'ai commencé les échecs je voyais justement tous les gros joueurs à Guingamp, ça m'a me faisait rêver. Ouais bon ça s'est arrêté. Hein. Il y a bribri -Bri 25 maintenant qui cherche ouais, à ça, il... la reine. Ils sont en quelle division Guingamp Ils sont et 1 quand même. maintenu de... enfin, avec euh, le... je crois pas qu'ils aient... je crois pas ils soient ridiculisés non plus Vas-y hein. bah, donc. Ouais. ouais sinon il y a la il vidéo série alors il y a plein de vidéos séries évidemment quand tu parlais d'adrien mais il euh, y a aussi euh, les euh, la série euh, inside type magnus vous avez les vidéos séries en français qui sont restées bien évidemment euh, donc voilà il y, y a plein de il y a plein de choses le fils de Drogba va resigner au roue du roue de roue du roue dernières infos wow. limoges est en n1 Zlatan ah. Alors, bravo Limoges. Tu es en train de nous annoncer que tu changes de club Tu rechanges ah, de club, Eisenberg Eisenberg. Pas maintenant. Pas ça, pas maintenant, pas toi. Ah. Et hey Marseille hein, qui était champion de France à l'époque Ah hein euh, ça. Ouais, j'ai j'étais initié à l'histoire. Ah <laughs> oh, mais ça trucs. Ils être en parlent tout, tout le temps, non Non, mais, pas tant que mais je l'ai appris à cette heure dans la lune. Mine de rien. Non. Si si. Je non, ils font pas des. Moi je croyais qu'ils racontaient ça. Tous les jours, il y avait une demi-heure de chacun raconter son histoire et son. Ah c'est belle, non. Remarque, il reste pas beaucoup de ah, dans l'équipe à part Laurie. Je pense qu'il reste pas beaucoup de de joueurs. Hein. Je crois pas. Je crois ah, zéro. pas. Zéro. Ah je sais, j'ai joué ce match, hein. Ah oui, c'est le, le match. Euh... Le match. ah oh, le match, hein, le match dont dans... il parle. Hein. Ah bah oui, le match, je te raconte pas un, un, bol, un, bol, un bol comme ça. Enfin ouais, bon, non. ça fait plaisir ouais, quand même. Je suis content pour Franchement, je suis content pour eux. Ils On ont tellement gagné. J'ai tellement gagné, moi, ces titres, car il y a une nouvelle équipe. Tu en, 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 en as eu trop. Exactement, j'en ai eu trop. En Donc, euh, voilà, moi, ça me fait plutôt marrer. Est-ce que JB le prend mal JB, il n'aime pas du tout… Euh... Et, euh... Il n'aime pas du tout, quoi. Okay, mais quand on parle commence à parler de ce match, Marseille, Fichy, euh, <laughs> dernier match où ils font un match nul, mais alors je ne vous raconte pas. Un truc. Oui, ils, ils nous battent même, je ne sais même plus. On était en avance, enfin bref. Ils devaient perdre la veille, on devait avoir trois points d'avance. Bref, on avait championnat gagné, mais de A à Z. On avait fait une super saison. On avait euh, 30 de Gaulle à en plus, tu vois. C'était incroyable. Et on avait besoin d'un match nul. Et il s'est passé des trucs invraisemblables. Et euh, on, a, on a perdu au final c'est incroyable ouais, c'est rare en fait de perdre un match aussi écrasant en fait. la légende de Didier Colas, ouais. vraiment ouais Didier a battu il n'y a pas eu que ça il hein. n'y a pas eu que ça parce qu'on devait on devait, euh, devait l'écraser ce match bref ah, là, là tu tu fais du pain béni pour, euh, pour les Marseillais tu mais c'est pas Pff, ça, va, ça va pas empêcher de dormir hein. ouais J'espère. Ah, euh, euh... Ouais, j'ai fait le prix de beauté contre Étienne, c'est vrai. Et ah, ben moi, on m'a dit, on me faisait pas confiance, on m'a dit de faire nul. J'ai fait nul. Ça fait nul J'ai fait nul en 10 coups. Avec les Blancs. Avec les Blancs bah, Parce qu'on fait... m'a dit, euh, ok, on te met au 1. Mais à l'époque, euh, c'était il y a 10 ans. Hein. J'avais un très mauvais score contre Etienne. Depuis, mmh. depuis j'ai pas perdu d'ailleurs. Je n'ai pas gagné souvent. Hein. J'ai gagné une fois et on a fait des nuls. Mais à l'époque, j'avais moins il y avait 8-0 ou 9-0 pour lui. Avec des nuls, mais quand même. C'était quand même c'est okay. incroyable. Et euh, donc, je perdais régulièrement. De fin des années 90 à 2010, j'ai perdu beaucoup de parties. Quoi. Et donc, donc, 8 ou 9, je ne sais même plus. Et euh, voilà, on m'a dit, euh, si tu joues contre Etienne, tu fais nul. Le reste, disons, tu joues. Je me dit, je veux bien la jouer, tout ça c'est le capitaine hein, qui a décidé est-ce Est que tu en fait. te sens encore assez enfant pour faire bloquer cette année mais ça on verra hein. ça arrive vite Sweet hein. donc on va pas on va pas donner des infos et surtout le premier match on joue Chalon en Champagne hein. gros match top 16 à Chartres on le rappelle c'était où là non c'était à Chalon l'année dernière c'est ça ouais c'était à Chalon on joue Chalon en Champagne grosse équipe hein. Chalon en Champagne hein. je commence déjà à suer moi euh, ils, ils ont une très très belle équipe c'est euh, comme nous hein il y, a, il y a quatre gros favoris, je dirais. Quatre ou cinq équipes qui peuvent gagner. Bon, les deux gros favoris, je pense que c'est Bichevillers et Agnès. Et il y a trois gros outsiders c'est Chalon. Euh, Chalon, comment il s'appelle Chalon, Clichy, évidemment. Et euh, Chartres. Chartres chartre avec leur. Ouais, mais Alireza ne peut pas jouer. Euh... Et Candida. C'est un gros handicap. Je il va, va peut-être faire... peut prendre un bail, non Un bail au candidat Ouais, pour une ronde. Ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais c'est une bonne idée. Ouais. Trop bien. Ouais. Ah, c'est le duel de Breton. Je ne joue plus de ah, tournoi, oui. euh, Laurent. J'en joue beaucoup moins, euh, Carlos. Mais là, je vais rejouer un peu, là. Justement. Ah, ah. Je reviens. Je reviens un petit peu. Fremesse. On verra. S'il l'été se passe bien, je ne me lasse pas de, de jouer plus. S'il l'été se passe mal, euh, bah, je, je repars, je repars d'où je suis venu. Hein, tout simplement. Mais là, je risque de jouer beaucoup de parties, en fait. Et tu vas jouer. Tu vas jouer. Je vais jouer à Albi. Ah oui, je vais jouer à Albi. Ah bah oui. Et le format a l'air. Il y a sympa. le top 16, il y a la Bundesliga. Euh... Il y a pas mal de choses. Allez, spéculer un bail contre qui Contre qui est de prendre un bail, c'était possible. On a hâte. Nous dit SoXoSlo, mais Je te remercie. Moi, j'ai un peu moins hâte. Mais on verra. Déjà, on va commencer par stop top 16 et puis on verra dans quelle forme on se trouve. Je vais de, de montrer un petit peu. Je vais jouer le. Je vais à Port-Marly. Hein. Ah, oui. Albi, euh, non, alors pas, pas du tout. Je ne suis pas du tout campanile, Albi, euh, mon SoXoSlo. Il y a le vice-président vice qui a réussi à me, à me convaincre d'aller à Albi euh, avec des arguments euh, massus euh, comme euh, maison avec piscine. <laughs> Moi du coup, euh, bah, j'ai dit euh, ouais, tu bluffes tout ça, j'ai reçu les photos. Ouais, et du coup, euh, bah, j'ai dit d'accord. Il voilà. ouais. d'accord dans la soirée, hein, du coup, j'ai dit d'accord tout de suite. n'a <laughs> pas mis longtemps. Non, j'ai dit d'accord tout de suite. je J'avais pas, j'avais aucune info sur le format, les prix, rien. Mais j'ai dit, dit, dit oui. Et ouais, les arguments hôtellerie euh, avec la piscine, pff, pas loin de la salle. Je peux louer mon vélo. Alors il y a déjà tout prévu. Hein. Attention. <laughs> ouais. Il est très, très prévenant ouais. le vice-président. C'est ce c'est l'inclusive. Ah non, euh, tu peux te louer ta trottinette ou ton vélo. Euh. On sent. Ouais. Le vélo, ça devrait te plaire. Bon, très bien. Euh, viens viens, j'ai des arguments sympas. Oui, mais à Albi, il y a le soleil et tout ça. Salut Laurent, les c'est euh, seront cast sur Chess24FR. Oui, zavazrou. à partir de la quatrième ronde. Alors là, le problème, c'est que je ne peux pas me, me cloner. Je sais que beaucoup d'entre euh, vous aimeraient bien. Mais euh, c'est pas possible. Donc il y a les trois dernières rondes du top, du top euh, 16 qui se jouent jusqu'au 19. Donc les trois premières rondes doivent faire sans nous. Dans les commentaires, mais on sera là pour le meilleur. Les 11 dernières, on sera là jusqu'au bout et des éventuels départages avec notre ami Ali Reza. Enfin, fait, je serai là jusqu'au bout, ça c'est sûr. J'essaie d'avoir un maximum d'invités. Évidemment, on recevra, j'espère s'ils en sont d'accord, nous, champions de France jeunes. Euh, nous, on espère avoir. Euh, qui qui c'est que j'ai sur ma liste J'ai plein, j'ai plein. Alors évidemment, le président de la FED, comme d'hab, le maire de Chartres, j'espère l'avoir. Jean-Pierre. Jean-Pierre, si vous nous regardez. Vous viendrez hein, pendant les candidats où je vous interview. Euh, voilà. Euh, j'ai pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées, donc ça va être sympa. Voilà, comme, comme j'ai fait pendant les Grands Prix où je commente la plupart du temps seul, mais j'ai les invités comme ça pendant une heure, une heure et demie. Et ils sont. Euh, ils sont euh, et je trouve que ça donne un truc très vivant au, au show. Ouais. T'es chaud, toi, pour venir un jour Genre une heure ou un truc comme ça ou J'ai ou... si peu de choses prévues que. Je pourrais difficilement dire non. <laughs> Puis tu vas regarder en plus les candidats. Dans tous les cas, il y a des chances que. Ouais, c'est ça. Que je regarde les candidats. On peut, on peut même inviter Bribri25 pour déconner. Et je lui parler de son stage. Mais ça risque de pas. Ouais. Je sais pas si Bribri25. Euh... Il aura tout analysé. Ouais, je sais pas. Il faut gagner un truc. Gagne un truc, champion de Bretagne ou champion de Guingamp. Gagne un ouais. truc que je, je puisse te présenter pour le 25. Il va te dénicher un titre. Sinon, c'est gênant. Quoi. Gagne un titre, s'il te plaît. Non, mais il, en, il en a un. Il en a un, un c'est sûr. Même le néerlandais. Merci, futur GM64 qui dit Tu as bon anglais, Laurent, au fait. Euh, depuis euh, Vishkanzi. Oui, je dis Vai, Vaikanzi. Comme ça, Vainqueur des petites canailles, non, ça passe pas. Attends, euh... t'as payé des bières à tout le monde toute la soirée, euh, plus personne ne voyait rien à la fin. Si je lis le chat, Wagga. La preuve. touche pas la Bretagne. Bah oui, euh, Calme-toi. Si on peut plus rigoler. Il y a un tournoi à Limoges dans deux semaines, apparemment. Non. Non. Oh. À Limoges, mais à Limoges-Centre Salut, Polish fan of Douda sur Twitch. Little Chestnut. T'es fan de Douda bah, A priori, ouais. Il sera fan de Douda, notre ami Polish fan of Douda. Alors. <laughs> Salut Laurent, t'adores, mais cloner, non, STP. Non, non, je ne vais pas le faire. Non, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage, je pas joué depuis 10 mois. J'ai joué deux parties, deux malheureuses parties en bout de Sega et voilà, les deux tournois tombent en même temps. C'est quand, quand même dommage. Il a, vaincu, il a, il a gagné l'Open B de Donlou, Bouybouy 25, et l'Open de Quimper. Non, mais en, en dehors de la Bretagne, en fait, je, je retire ce que j'ai dit. Est-ce que tu saurais situer Donlou mais, mais tu connais la, le problème, c'est que tu connais les réponses à tes questions. <laughs> je pose quand même. Non, mais c'est une... Il y a quand même. Ouais, non, il n'y a pas juste. Rapide, mais... mmh. ça me dit quelque chose. Ben moi, j'ai bien formé ma position. Ouais. Futur GM64 qui nous dit Moi, j'aime beaucoup Anish gary C'est qui tu ça bien... C'est un tu... nouveau compte tu, 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 tu es bien la seule. Non, je crois que j'ai des flashbacks. Ouais, non, si, 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 on s'est déjà hein. parlé. Bah, ben, tu es bien seul. Écoute, hein. il faut bien. Hein. J'ai gagné l'Open B de Prague. Don Loup, ouais, d'accord. Ça me... ça me dit quelque chose de rapide. C'est un bon rapide, je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rapides en France. Hein, quand même. En Bretagne, c'est la région des rapides ou pas Attends, bah, y en a, y a... comment ça y en a à, à ce moment-là mais... Comment ça commence à se faire ce moment-là Ah, ouais, j'ai envie. A... Ah, je vais peut-être en faire un, un deux, peut-être trois grands maximum. Bah, là, déjà, ce, ce week-end Ah oui. Avec Bribri, du coup. Avec Bribri, -Bri, ça sera Bribri -Bri, ton principal concurrent euh, Non, je crois. J'ai vu, j'ai vu le président du club. Peut-être que tu connais Alain Lucot. T'as dû le voir justement au Top 12, quand tu as joué. Je sais pas. C'est ce que c'est dit. Ça me dit quelque chose. J'ai vu avec ces personnes. Plus un président de club, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Et t'es président de club. Hein. <rire> Alors, <rire> on perd pas le nord ici. Hein. Et donc, euh, ouais, Alain Lucot. Ouais, non, je connais très bien, très sympa. Ouais. Non, je sais pas, je sais pas. Euh, Vas-y, et donc il a combien de lots ah, 2000, je crois. 2000 Ouais, mais c'est moins dangereux que Brébry, ça, quand même. C'est vrai que Brébry sur, sur un bonjour, <laughs> il peut. Et Bribry, il a même pas 2000 Il a gagné le tour de petite carte. Il a, il a pas 2000 Bribris Deuxième du rapide Dillion avec une drone FM Lamas, qui était loin d'être FM à l'époque. T'as combien d'élos, BriBri25 Moi, je pensais que t'avais 2100, quand même. Enfin, tu ça. Hein. Oh là là, Slow, so t'es complètement humilié, là. T'as vu, il cherche l'élo des, des joueurs en jouant contre toi. C'est pas triste. Et non. Hein. Il y a 1974. Non, mais... de rien. Euh... Non, mais il pourrait être, en vrai. Franchement. Qui ça so o... Non, mais il a pas picolé, oh. ce soir, c'est tout Ça se voit et Les deux, hein. franchement, les deux. Non, non. Et... Il mais résisté, non, il mais... A bien ce là quand même. Enfin, là, il a, il a bien résisté. Ouais. ouais, il a bien résisté. Ce manque de respirer, envers grand, 2000, ouais. pas du tout. Je dis juste que Simon, ce euh, qui 400 points de plus. Et quand même, euh, ça va être compliqué hein, pour, euh, ouais. pour ses adversaires, a priori. Hein. Au, au rapide de, de Saint-Brieuc, j'avais perdu contre 1000 points de moins. Je... 1000 points de moins Ouais. C'était conséquent. C'était conséquent, oui. J'ai ouais. On 3 ou 4, je pense, du tournoi. Quoi Du tournoi de, de Gingol Je, je, je vais avoir 1900 rapide je pense. 1900 rapide Je joue vraiment jamais. Ah ouais, d'accord. C'est incroyable. Moi, moi j'ai 2670 en rapide. Je joue vraiment jamais aussi. <rire> je, <rire> suis, je, je suis un peu inquiet, d'ailleurs, pour mon... Euh, C'est le truc tu qui m'inquiète. Ce championnat de France rapide et blitz, je t'avouerai que je suis... Je suis assez gras hein, Niveau Elo euh, tu peux regarder alors. les inscrits Tes favoris du coup Ou oh, hello, oh, hello Mais O'Elo oh, je suis devant Il y a, y, a, y a Maxime Lagarde Il y a les, les, les habitués hein, Tchekachev, Alberto David euh, bilel oh, euh, Voilà les habitués des, des rapides parisiens Il doit y avoir Goulief Ah on ouais, prend les mêmes Et on recommence hein. C'est vraiment euh... bah, Je l'avais fait une fois C'était vachement sympa J'ai fait que le rapide par contre Ouais Je vais, je vais faire euh... Moi je fais les deux du coup on est sur place hein. On offre, on offre des, pour les jeunes hein, qui seront champions de France. Ils gagneront tous les champions de France. Donc il y a 28 titres de champion de France. Il y a 14 pour le Blitz, 14 pour le Rapide. Donc 7, euh, en, en, 7 en mixte dans chaque catégorie. Et 7, euh, dans le tournoi, euh, enfin, 7 pour la première femme, pour la première joueuse de chaque catégorie pour les deux trucs. Donc on va remettre 3 mois d'abonnement à chaque champion de France. Donc ça fera 28, 28 prix. C'est vrai ça C'est vrai. Ça, ça risque, ça risque d'attirer, de m'attirer. <laughs> Est-ce que j'ai une question Est-ce que je prends les, les noms premiers On est d'accord que, ah, que non. On est d'accord que non. On est d'accord que non. Ah ben non, t'as pas galéré, je me suis pas moqué de toi pendant des mois. Donc j'aime la répète. Tu prends les noms premiers maintenant Non, 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 non c'est pas possible. J'aime la répète. Je suis désolé. Tu peux. Je Il y veux. a même un petit truc pour euh, cliquer. Et euh, Soixoslo, le CPU de Chess24 pour les c'est un des années ah oui. 2000. Pas du tout, c'est pas si mal. C'est pas vrai. Soixoslo, pour le coup, là, pour, un truc, pour une fois qu'un truc est pas si mal. Puis oui. Puis oui, vas-y. Je, mais... ouais, je connais le taulier Alexandre Bouger capitaine de Guingamp. Ben dis donc. Ah oui, moi aussi. Moi ben, dis donc, elle fait peur cette équipe. Elle 25 et Alexandre Bouger comme capitaine. Il jouait même ah, à Saint-Brieuc quand j'étais petit. Oh, je te raconte pas. Je pense que ça gagne le top 12 l'année prochaine, ou 16. Euh, l'année d'après, tu veux dire, ils sont, ils sont, ils manquent pas. Là. Ouais. ouais. C'est pour Marseille des... l'année prochaine, je sens. On, on va tous tous faire des nombres de grands maîtres. Euh, ouais. Après. Ça va être bourrant, hein, ces petits. Oh, vous êtes que deux petits jeunes en fait. ouais, c'est vrai. Finalement. Si on peut compter Eisenberg comme jeune. Ouais. C'est vrai. Il fait plus âgé que son, ouais. son âge, déjà. Ouais. C'est vrai. Mais on, on... apparemment. On... On peut nous confondre j'étais mais c'est vrai que vous avez alors, alors je sais pas le, le cinéma il y a un petit air ça doit être la campagne il <laughs> y a il un petit air dit... de famille petit mais ouais il y a un petit Bah, bon, il y a les lunettes aussi hein, qui font beaucoup pour ça moi bon, je suis bien placé pour en parler mais euh... je sais pas ouais je trouve euh... ouais ouais il y a, y, a, y a un petit côté euh... y a une petite ressemblance ouais Effectivement. Heisenberg doit être en train de fumer, de, de fumer, non de, mais... de, de énervé. Euh... Je pense pas, parce que c est... C est, c est même, même, même sa mère me l'avait dit. Elle était à Jean, justement. Ah ouais Et... ah, ça, ça, ta, Sa mère te l'a dit, d'accord. Ok. Et c'est pas trop, pas trop dur à vivre Pour hmm, toi Je sais pas pour qui ça doit être dur à vivre. Qui... qui oh bah les absents ont toujours tort, donc c'est plutôt <laughs> dur à vivre pour toi. Ça va Tu te sors bien pas trop compliqué cette situation je fais comme ça d'accord écoute je vais je profiter de ta présence je vais te laisser parler d'échec je vais faire je fais un petit break et je reviens je tu peux tu peux expliquer tu peux expliquer tout ce que tu penses expliquer ce que je fais ouais mais moi je sais pas alors il veut venir en g3 ce que c'est grave empêcher comme ça ça fait plaisir, un hein roi volant. Qui ouvre Peut-être qu'il m'ouvre maintenant. Je ne sais pas trop comment. E5 Non. Si je prend D5, je prendrais sans doute le pion E. Enfin, E5. Par contre, il a... tu peux avoir un problème sur D6, mon ami Piwi. Allez, épicier. En plus, je défends S4, comme ça je perds pas de pion. Ah. Alors, c'est bien joué. Vous en avez peut-être les goélands. Un typique bout breton. avec Darda au 3 ça fait mal darda pas un mauvais joueur ça c'est sûr mais Momchine Nikolov vous HP allez donc ce que je veux c'est pion prend f5 on prend f5 on prend 5 dame 6 7 Ok. Maintenant. Et maintenant, il y a filet dans G5. Je ne peux plus me prendre. Ça me va. Qu'est-ce qu'il peut bien jouer Comment cette compromis C'est de cavalier F4 pour jouer les cases noires, justement. C'est quoi ça? Est-ce que, je... Est que je joue petit bras? J'ai 5, je peux peut-être jouer à F4, je veux les cases noires. Euh... Ah, mais là, ah, je voulais jouer G4, mais m'avait tendu un piège, le bourre. non pas si simple est-ce que fou g5 quoi... ah, il y a dame b6 sur fou g5 cavalier e4 ça me semble ah non kv 4 je voulais dame h4 g3 mais il y a dame prend e4 non je trouve pas je trouve pas de très bonne chose là Bon, je vais devoir jouer calmement. Bref, on va mettre le roi à l'abri en G1. Et... Et faire avec E4. Ah ben. C'est très bien joué, ai, d'ailleurs. Très embêtant. Mais je crois que... Je vais pouvoir profiter de son manque de coordination au centre. Il va me gagner une pièce, certes. Mais récupérer les dividendes après fou des 3 Normalement, je vais récupérer F5 et je vais G4 de manière. Ah non, il trois proche d'âme G6 donc je dois vais... je vais jouer pour les pour l'activité. Ah, fait, Salut, Nicolas a Alex. Ouais, effectivement, il a tout tenté. C'est dame 6 sans doute. Mais là, je me demande si est-ce que je vais... Non, je vais jouer g 4 mais ça. Non, je pense que je gagne juste du de matériel. Il manque quand même sérieusement de développement. En tout cas, une, une bonne partie quand même là. Qui... C'est pas fini. G4 donc. G4, dame G6. Cavalier H4, je crois que ça se passe bien. Et maintenant, qu'est-ce qui tombe? Ah non, ah, merde, je n'ai pas eu. Euh... Toujours la même partie, ouais, mais il joue bien, mais... franchement. Il a posé des gros soucis. T'es bien quand même. Ouais, T'as l'initiative. Il manque un peu de développement. Ouais, bon. V Motoyama W ouais. Motoyama. Bonsoir, ouais, c un, un ancien champion de France. Un ancien champion de France. Wow. catégorie U8. U8 un ah, toujours. Ah j'ai. Mais quand Il y a longtemps Ah mais non, il n'y a pas longtemps, là. Non, en 2018. En 2018. D'accord. Bah, bravo Et à lui. toi. Ah, là, ça. Salut, Stekikun. J'avais fait une jolie nulle en 15 coups contre lui. Ah, ah ouais Ah on va avoir du mal à déterminer qui c'est à partir de cette information. Est-ce que le chat... Euh, non. N'hésite pas. Elle est screen. l -R l. Le chat Twitch est particulièrement euh, calme hein, en général. Hein. Euh, du fait de... Il y a peu de monde qui est là sur Twitch. Ah, on a Tal Michel qui est là, qui nous a rejoint. Salut. Ouais. Le facétieux Tal Michel. Tal Michel. Oui, absolument. Hop, oh là là, non, mais attends. Ciel bleu qui nous fait des quiz. Ah. Ciel bleu, c'est monsieur statistique. Je ne te raconte pas. J'ai fait un peu de statistique, savez-vous, parmi les ouvertures noires respectables, celle qui a le plus mauvais score. C'est quoi respectable bah, ça veut dire sur, sur E4, sur e euh, c'est quoi C'est Grünfeld, euh, Gambidam, euh, Berlinoise, Nidorf, genre de choses. Moi, je dirais que c'est la Grünfeld. Oh, ouais, je... est-ce est que est... ouais, Je dirais l'Estaniane, mais je sais... Est-ce que ça compte Parce que du coup... C'est semi-respectable l'Estaniane, ouais. ouais Là, au niveau, c'est limite. Bon, tu dis es l'Estaniane, moi pas je dis à Gonfeld. On a faux, je suppose. Salut, Malagasy. Laurent fait jouer les autres à sa place depuis la traîtrise de la corporation. Ouais. <laughs> c'est un peu ça. écoute j'ai les invités, je les fais jouer. Moi, j'aime bien. Et je parle. Allez. J en encore une estanienne Puis ils sont contents. Je ne vais pas dévoiler tout qui ne pas quand même. Ou en 5 minutes contre Tal Michel, je ne te sens pas favori. 5 minutes Tu sais qui c'est Oui, je sais qui c'est. Est... Mais non, je ne sais pas qui c'est, mais euh, je sais comment il joue. Et euh, mais je comprends pas d'ailleurs, il devait être... Euh... Vas-y. Il, il devait... Ouais, il me laisse leur à... H5 déjà, moi je suis... Je suis très heureux. Il, il, il devait plus trop jouer. Mais bon. Il joue quand même. On va voir. Normalement, il joue... Il oh. coup toutes les 3 secondes. Je me vois mal prendre ce pion H5. Regarde. Ouais, bah. Hop. Ah non. Voilà. Ah, je, je vous conseille les parties de Tal Michel sur le sur le site Chess24. Vous tapez le, le pseudo, vous allez voir ces parties. C'est quelque chose. Il hein. fait des, des belles choses. Ouais. Bon. C'est D4, des, des 5 C4, 6 KFC3, KFC. Je suis content de vous voir en tout cas. Mais nous aussi, Malagasy, ça fait plaisir. On se retrouve pour les candidats, n'hésitez pas. Ça pique un côté noir, mais ça devrait vite se rétablir. Moi, je parie pas sur ce qui me lame dans celle-là. Désolé hein, d'être pessimiste comme ça. À ce point-là oh. Ouais. Ou pas, je sais pas. là. C'est très oh. confusing ce qu'il fait. C'est là, j'aurais pas pris mon fou des 3, déjà. Mais... Ouais, je suis d'accord. Bon, c'est quand les candidats Eh bien, ça commence le moi, non, moi. Sais pas. Le 16, le 17, 17, oh, 17, 17, premier 17, 18, 19. Pas de show français, vous aurez un super show en anglais, ça c'est sûr. Mais on revient euh, 19, 20, journée de repos. Moi j'arrive à Paris, tech fraisse, euh, met en place le show. Et c'est parti le 21 pour la ronde 4 jusqu'à la ronde 14. Ça va être magique. Ça va être énorme. J'ai vu Ali Reza, il commence par deux noirs. Ah, il a... C'est plus bas. Dans tous les cas, tout le monde double les noirs après... C'était qui qui avait doublé les noirs C'était... Je me rappelle plus qui avait doublé les noirs en 2020. Non, non plus. Mmh. C'était Maxime, hein c'était Maxime Non, il a doublé les blancs. Ah, il avait doublé les blancs, Maxime, justement. Contre Carona et Ding. Non, oui, c'est ça. Ouais. Il avait battu Ding, d'ailleurs. Bah, il n'était pas en super forme. Mais... Non, il n'y a pas de. Il y a l'érection de show chez Chess24 euh, sur show qui demande. En fait, euh, bah, la stratégie, c'est de tout miser euh, sur l'anglais et l'espagnol. Donc, en fait, il y a plus de show en anglais. Hein. Clairement. Donc en fait, l'abonnement, vous n'êtes pas complètement… Alors effectivement, si vous n'êtes pas anglophone, euh... ouais, c'est moins intéressant, c'est sûr. Mais euh, si vous êtes anglophone, ce n'est pas un mauvais deal, ce qui s'est passé. Et euh, effectivement, il y a un grand tour, il y a le de Chess Tour qui commence dès demain. Tu vas le regarder, ce de Chess Tour, ou pas euh, Je sais à quelle heure. J'ai je... vu que ça commençait demain, mais je n'ai pas l'heure. Ça commence à 17 ou 18h, je ne sais plus. Ouais, 17h, okay. heures, 17 heures, c'est sûr. C'est ouais, ce dommage, 6 bien 6 sûr, c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux, Swix -so je, je regarde tout le temps. Après, c est, c est, le volume horaire que j'y consacrerai varie. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a du mordant. Ouais, on m'entend moins. Bon, mais je vais revenir pour, pour les gros événements. Il euh, y aura un, un cours chez Sable hein, qui va... Que vous, faut que je commence hein. euh, le cours de chez Sable, pas avant septembre mais je pense pour, pour Noël Donc comme ça vous aurez des beaux cadeaux de Noël à faire hein, mon cours de chez non ouais. répertoire complet Et Yannick euh, Yannick Yannick a une grosse euh, je sais il a été euh, ouais, alors je sais pas là je, je sais pas si je peux le dire mais en tout cas euh, il, il va euh, il va faire l'actualité dans quelques jours ce que je peux dire. Tu, tu donnes aucune info Bah euh, quand même, si c'est une info ça. Voilà. C'est vrai qu'il est... Il joue bien. Il est infernal. Il va être nommé ministre des sports. Yannick, oh, j'espère qu'il va pas m'écouter. Hein. Euh, ministre de la Santé. Hein une, une nouvelle stratégie sur les vaccins et tout ça. Il a tout. Ouais. Il a tout changé. <laughs> Il a chez Pfizer en stage. Oui, bon, mais actualité, vous pouvez vous offrir seulement 90 euros sur le Chessable. Euh, écoute, euh, pas du tout. D'ailleurs, les prix, en fait, non. Sur le Chessable, ça sera, j'espère que ça sera cher. Hein. Euh, Bribouille 25. Mais en général, le, le tarif, c'est 30-35 euros. 100... Mais attention, hein, c'est 30 heures. Hein. Et puis, c'est quasiment un livre. Hein. C'est comme un livre. Hein. Le compte Chessable, 30, 35 euros de... sans la vidéo. Et avec la vidéo, ça... c'est 150 ou quelque chose comme ça. On a déjà le sujet ou pas Est-ce que tu as déjà révélé Ouais, ou j'avais parlé un petit peu. Certainement, euh, il certainement, n'y a, pa... a rien eu qui a été fait sur l'Espagnol ouverte. Alors, c'est vrai que Ciel bleu m'a rappelé que j'avais des... des stats catastrophiques sur l'Espagnol ouverte. Mais je pense que c'est ouais. un bon sujet parce que c'est quand même une ouverture euh, bah, très solide et très bonne qui n'est pas trop jouée. Donc, ça peut être un bon, une bonne surprise en fait. Jouer espagnol. trop peu. Et c'est ça. En fait, ouais. c'est la plupart des gens. Personne ne la joue. Accepter le tirage au sort, c'est quoi ça Sur les 35 euros, combien tombe dans ta poche Il est curieux, Malagasy. Hein T'inquiète pas. T'inquiète pas pour moi. Enfin, Inquiète-toi. Inquiète-toi et achète le truc. T'inquiète pas. J'ai un bon euh, j'ai un bon plat sous, comme on dit. Euh, non, mais euh, ouais, je peux, je peux pas le dire, je crois. Mais ça va, c'est très raisonnable, ce qui me tombe dans la poche. Par contre, la vidéo de notre mondain de Saint-Germain, elle arrive quand C'est qui notre mondain de Saint-Germain C'est Jules Ok, il prend le 4. Des 4, fausse 7. Il fait nul contre n'importe qui, peu importe la variance. Je, peux... je fais nul contre n'importe qui, maintenant. Mais elle pas... Je sais pas ce que je vais... Con... Alors, en fait, en vrai, je pas encore décidé. Si je... Euh, ce que je conseille. Si je vais conseiller les lignes principales qui tiennent, hein, les lignes principales, ou alors peut-être ce truc avec 7. Ah, mais moi aussi, je suis actionnaire, figure-toi, nous dit Malagasy. Moi, je suis pas actionnaire. Je suis contributeur. Content creator. Dans le monde de l'édition, il y a une cause de confidentialité sur la part du revenu qui revient à l'écrivain. Là, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Je ne sais plus. J'ai signé sans réfléchir, comme d'habitude. Je n'ai pas lu. Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais je crois. Réduction des choses, c'est pour ça, pour les actionnaires, ouais. Allez. Chardon. Et là, je crois que Malagasy, euh, l'action est au plus bas. Ça, c'est pas du tout confidentiel. L'action du groupe Play Magnus, là, tu as fait de chuter. Hein. Déjà. Je suis content creator. Chase24 verse des dividendes. C'est-à-dire. À qui Ça dépend ça de dépend, l'accord que vous avez. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais utilisez le code TechFace40. Hein, moi, ça m'arrange. Voilà, je peux dire que ça. Je préfère, voilà. Voilà. Je préfère que vous utilisiez le code TechFresse40 plutôt qu'un truc à plein pot. Donc après, euh, euh, à vous d'en déduire ce que vous voulez. Hein. J'ai encore prête. une écreuse, j'achète et ça perd genre 20% en 3 semaines. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Faut, faut chercher les... à qui la faute. Non mais c'est mieux, hein, Le code TechFresse40, hein. Moi, c'est mieux. Hein. Je, je, je vous le garantis. Il est bien ce code. Franchement, 40%, vous n'aurez pas mieux. Hein. Il y a pas, ils font pas plus. Hein. Ça, c'est sûr. Oh, Bravo. Eh, T'as battu, euh, battu Michel Écoute. l'ai eu quand même. C'était pas, pas, pas clair tout du long. D'accord. Bravo. Il y en a qui en battent deux ici. Ouais, alors ça, c'est les tricheurs. On enlève un. C'est 3 plus 2 et 5 KO. Comme tu veux. Ouais, Pas du tout. TechFresh, et des sur l'avenir de 4 Pas du tout. Euh, écoute, il y a eu un changement de stratégie, donc ah. je suis un peu... En revanche. Donc, dont nous sommes. On va faire nous. C'est sont un peu les victimes que je comprends. que J'accepte, c'était la règle du jeu dès le départ. Il hein. n'y a aucun souci de mon côté. Même si je suis déçu. Mmh. Allez-y, posez des questions. Il euh, y a avec moi qui pose des questions à ce qui me lame, là quand même, un jeune, jeune homme comme ça, brillant, un avenir. Grand maître, à quel âge j'espère quoi J'espère quoi. T'espères être maître déjà, rapidement, dans l'été. Moi Honnêtement, j'espère quand même être maître cet été. Ouais, d'accord. Grand maître, allez. Ça ça, ça a l'air quand même d'être très dur. Donc euh... voilà, avant mes dix. 10... Avant mes 20 ans. D'accord. 4 ans pour être grand. Enfin, je... comme je compte pas faire que ça. Ouais. J'espère que c'est plus euh, Il est plus là, sur Twitter si Il est atteint, il a un bouton vert. Il devrait être là. Un bouton. Bébruno, d d salut à toi. Combien d'heures d'échec par jour Beaucoup ouais. trop, je pense. À peu près. Euh... Bon, euh, le week-end, 6 ou 7, minimum. Enfin, pas tellement que ça, mais. Et on se... voilà, sur ce genre de journée, 4 ou 5. Non, plus, plus que 6 ou 7 le week-ends, en vrai. D'accord. Après, est-ce qu'on compte, est qu compte la quantité non négligeable de bullets ah. voilà. Ouais, enfin, pourquoi pas. Euh... Ah, dans ce cas, oui. Dans ce cas, oui, plus 6, 7, 8 par exemple. Des Après, des fois moins, bien sûr, mais... D'accord, c'est énorme quand même. Mais une journée où tu vas à l'école Ah oui, bah dans ce cas, dans ce cas deux ou trois. Enfin, quand je ah ouais, pas. quand même, il n'y a pas une journée sans échec. Ah. Non, pas vraiment. Bah, quand je... quand je... La plupart des journées où je suis sans échec, c'est... Alors enfin, des fois, le lundi, je ne fais pas grand-chose quand même. D'accord. Parce que j'ai la plus... plus longue journée à... Bah, je crois que j'ai quand même... Euh... Alors vas-y, hein, ouais. tu peux aborter. Hein. Quand même devoir à Ouais. et tu travailles seul ou tu es un coach? J'ai un coach, mais je, je préfère garder enfin, je, je, je prends. Je vais en donner un, c'est à dire que je prends des cours collectifs avec Adrien de Ça, je vais le dire. D'accord, genre, combien de fois par semaine? C'est une fois par semaine, Ah d'accord, donc c'est pas énorme. C'est deux heures, ouais. Vas-y, tu peux jouer contre ce XO hein. Euh, J'ai pas. Et sinon, l'autre, c'est. Ça marche pas C'est un cours individuel Ouais, c'est individuel. Donc, ah, reçois-moi. D'accord. Il est grand-maître Grand-maître. Oui. Il est français Ah Je ne sais pas. Il est marseillais Tu <laughs> t'orientes la question, là, quand même. <laughs> Effectivement. Non, je préfère. Ouais, impressionnant. Hein Autant d'échecs par jour. Remarque, je sais pas. Et pourquoi ce ouais. pseudo, Ski ce Me C'est une bonne question. Ah, c'est, Sim pour euh, mon prénom. Ouais. lam pour mon famille. Et, et, euh... et j'ai pris. Et honnêtement, je voulais, je voulais une lettre au hasard. C'est, c'est le puits qui est tombé. J'ai fait au hasard sur mon clavier. D'accord. Ça okay. m'est resté. C'est beau. Depuis... Ah bon, non, ça... pas... ah. <laughs> <laughs> c'est Voilà, on fait la soirée. Oh, J'espère que Yannick, il ne va pas tomber sur ce show. Hein. En disant, sinon, on disant s'il en est mal. Je vais répéter les bêtises de Stekikoun. Je n'approuve pas du tout qui Kikoun, d'ici demain, de si ton coach est vacciné Faudrait lui demander. Je... C'était pas dans mes critères, mais... Est-ce qu'on l'empêche de travailler ou pas <laughs> <laughs> C'était Faudrait... pas dans les critères, d'accord. Désolé, j'aime beaucoup les commentaires de Yannick en plus. Ben, on le salue, s'il ah. nous regarde. S'il nous regarde, il va pas être content. Ah, parce qu'il est pas vacciné, Yannick. C'est pour ça, donc, d'accord. Alors, a priori, je euh... n'ai jamais posé la question frontalement comme ça pendant les shows parce que c'était quand même un sujet que j'essayais d'éviter. Ouais, ouais, Mais sujet euh, que... bon, euh, on m'empêche de travailler avec ce passe vaccinal. Bon, après, il y a des chances assez raisonnables qu'il ne soit pas vacciné, oui, effectivement. Ok. Ah, Chacun son choix. On a le droit d'être vacciné et de jouer à Marseille-Échec non, je, pas, je, des bêtises, je plaisante, bien sûr Je plaisante, je plaisante. plaisante. C'est pas, pas moi qui vais mal le prendre, mais... Non, mais parce qu'on parle de Raoult dans le, dans le chat, c'est pour ça, ouais. ça, donc... Il a rage. Après que, fortiori, l'individu s'est si n'est pas vacciné. Il fait des belles phrases, Bébé. Ouais. Bon, ben, bah, je vais faire semblant de ne pas être vacciné, hein. euh, À partir de dimanche, je ne suis pas vacciné, je suis anti-vax, hein. À Marseille... Euh... Ouais faut se détasser quoi. Ah ouais, non mais quel scandale. Franchement. Ah ouais. T'es pas mal dans celle-là. C'est quand tu sais ils sont encore. Ouais. Ah ouais. ouais, c'est ouais. balèze quand même 6 heures d'échec par jour, je trouve ça énorme. Bah le week end c'est-à-dire samedi en et dimanche, bah en fait, je suis pas au c'est pas quasi du Montréal. D'accord. Enfin, j'ai je... bah, déjà pas que je fais d'autre, c'est que j'ai pas d'autres gros trucs qui me prend du temps. T'as pas d'autres. Euh... d'autres passions pas eu... quoi Dévorantes non, non Non, pas du tout. Une petite passion Non, le sport Non je, fais... je faisais du badminton, je n'ai pas été, du... enfin je du badminton, je pas été depuis longtemps. J'aime bien ah. mais sans. Ah, J'adore moi le badminton, je kiffe grave. C'est mon nouveau truc, je te jure. Non, mais j'aime beaucoup le badminton. Tu vais deux fois par semaine, je passe. Euh... C'est le meilleur moment de la semaine. De très très loin. Assez ah, c'est bien le baddington. Hein. Ah, moi, moi, je trouve que ça serait bien après. Ouais, en ce moment, j'y vais. J'utilise euh, très bien, mais là d'ailleurs. Euh... Ouais, c'est ton coup de dame B5 pour échanger les. <laughs> <Je peux rire> prendre le pion en plus. Ouais, c'est vrai que je pensais qu'il allait prendre du fou, mais. Ah, bah, B4, par contre, c'était. Je vais à Marseille dimanche. Magazine, ouais. Je vais remettre les prix dans un tournoi de Marseille. Lundi, je me repose. C'est le rythme marseillais, hein, si tu veux. Donc, je remets les prix. Bon, ben, bah, en gros, euh, je fais rien, quoi. Mais, enfin, je... je parle à trois personnes et je fais le beau. Euh, donc, euh, ça, dure... ça dure une heure. Je me repose le lundi. Rythme marseillais, forcément. Je profite du soleil. Et masterclass le mardi. Donc, du coup, là, gros coup de fatigue, je repars le mercredi. Voilà, c'était un truc euh, voilà qu'on avait prévu de faire depuis longtemps et je suis, je suis ravi d'aller à Marseille, de, de visiter euh, le club de Marseille Échec, nos amis de Marseille Échec. T'as jamais été au loco du club du Jamais. Tu sais, que, tu, sais, tu sais en quelle année, la, la dernière fois que je suis à Marseille 2016. Non, t'es loin du compte. Mon petit Skim Lam. T'es très 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 loin du contenu, t'es pas né. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est <laughs> C'était pour le championnat de France, à Marseille. Qui a battu les records de participation, bien sûr. Comme comptaient... tous les championnats de France. Non, 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 ils ont battu le record de participation et ils comptaient. Euh... Ben, dès qu'il y avait un inscrit, ils pour 3. <laughs> <laughs> 2001. En 2001. Ouais. J'avais pas très bien joué d'ailleurs. national, déjà à l'époque. Hein. J'avais même franchement mal joué. Donc pas voilà, ça faisait trop longtemps là. Mm -hmm. Franchement. Puis il y a un tellement beau club. Oui. On je est bien il le club. club Quoi Il est bien le club, je vais pas être ah, déçu. Les locaux sont cool. Les locaux sont cool, d'accord. Euh, okay. Oui. Par contre, ça, c'est une tour. Et je reviens donc à Paris et euh, dit mercredi soir petit banter. Cette fois, ce sera Yosha qui m'accompagnera, notre community manager qui sera okay. en ma compagnie. Je trouve toujours quelqu'un pour jouer à ma place. Et oui, vous l'avez compris. <laughs> je... Ah, voilà. Je te remercie. Euh, ciel... Tu étais abonné à quelque chose, toi, ciel bleu Il était abonné à Europe Échec en 2001. Les photos d'Europe, j'étais ah, très beaux, beau gosse à l'époque peut-être. C'est vrai, merci. Ah, c'est vrai que, que j'en ai beaucoup d'Europe échecs aussi. J'aime beaucoup. Un super tournoi à Marseille en 89 avec Bariev. Et ouais, c'était pas possible Matrix Trinity. Ouais. Il s'est passé des choses à Marseille. Hein. C'est vrai que c'est une belle ville. Alors, j'ai gagné. Bravo. Et je vais te faire quelques blitz quand même. Vas-y. Bon, On ça, va jouer ouais. un peu. Attends, je te défie. Oui. Ah, a... ouais. Tu veux jouer avec le Bien sûr. Jamais je ne retrouverai, mais. En parlant, là. challenge. J'ai peur. Là. Ah, a... Comment je fais ah, pour parlons, challenge. Évidemment. Tu, tu peux me challenger sinon Bien sûr. En 3-0. hein. Ouais, on joue comme oh, je... bon, suis... C'est une chance quand même. Ouais, C'est ce serait trop, trop nul t'as fait des progrès c'est bien sur Xoslo, on est fier. tu vois dès, dès que les, le français s'arrête tu fais des progrès c'est si. marrant Elle hein. fait des sacrés progrès hein. ouais puis que écoutes le show allemand bah tu t'ennuies dans le show allemand mais euh, tu t'apprends des choses faut pas tout avoir hein, dans la vie j'ai jamais été voir le show allemand le rend injouable à la parlante pas mais du si... tout c'est pas vrai <laughs> c'est pas vrai Allez. ouvre bien le chat s'il te plaît tu m'as défié ouais je t'ai défié ce qui me non. 2392. Ah non, mais c'est pas possible, j'ai le truc à l'envers. Allez, vas-y. Ouais. C'est génial comme bug, ça, j'adore. ce que tu vas... Oh là là. Ah, non. le Budapest. Ah, le Budapest, pas... Cavalier O4. C'est pas un risque Non. Ah, si c'est un misère, je sais pas. Oh, c'est que je l'aime cette ligne, j'adore. C'est magnifique, je vais le faire rien. Si tu peux te relever un peu, les gens ne te voient pas. T'as ta euh, une déconfite. C'est le Budapest qui m'a déjà mis. Euh, <laughs> qui déjà reculé. Ouais, c'est déjà. Ta Budapest, on t'a perdu. Déjà. Euh, J'ai des mauvais souvenirs. Ouais, je, te, je, je te préviens que je fais n'importe quoi dans ce Budapest. Ok, B3, mais tu es très conservateur. Hein. Ah oui. Mais je prie mauvais tout, hein, attention. Hein. Ça rigole pas. Hein. Tu peux voir mon écran, tu peux voir quel coup j'ai pris mauvais. Je n'oserais pas. Ça pourrait être de la triche, mais bon, en même temps, euh, comme tu es quelqu'un qui est habitué à voir les sujets avant de passer tes examens... Euh... Bon. <laughs> oh la petite finale. <laughs> ah <Magnifique. rire> oh, oui. Oh magnifique. Bon, euh, elle est pas désagréable celle-là. Ah. ah -ce que, -ce que te... Ça change tout, hein Ça change tout. Pas pensé, mais ah bah moi je joue toujours à la petite finale et puis je réfléchis ensuite. Hein, tu me connais, je t'avoue, ouais, j'ai envie de f 3 comme ça. Tu as une belle structure. <laughs> vas-y, vas-y, vas <laughs> j'apprécierais l'ironie du n'est pas honte, n'est pas, pas honte, mais Amiral Fue Challenge. Si ou Oulala, là là, oh là là, oh là là, attention, alerte, oh. ou là ouais. là, et heureusement que tu vas pas pris le pur. Hein. Oui, mais je, je te crois trop aussi. Ah, mais tu te vois... Bon, pff. je ne crois pas. <laughs> Tout le monde le sait ici que je raconte n'importe quoi. Et que je fais n'importe quoi. Du coup, on va faire ça, tiens. Avec l'idée très non. cachée, hein. Non, non. Évidemment, non, non, de... Non, non. Pas à moi. Pas à toi. Alors, ah, mais je peux peut-être... Le... Non Est-ce que je peux le faire quand même Oh, j'ai envie de... Allez, allez, allez c'est moi ça. Allez, on attaque. Ouais, je te prends. Ouais, tu me crois plus, ça y est. Tu ouais. me crois plus. Il a arrêté de nous croire, notre ami, et il a bien raison. ouais, T'as bien raison de pas me croire. Oh, mais je suis non, foutu, moi. hein. J'ai donné un pion, mais je voulais donner un pion cette partie. Ouais, t'es... Tu... C'était plus fort que toi. Ouais. Dès le, dès le début de la partie, tu vois un grand début de la Budapest. Clairement... T'as envie de tout échanger, hein dis-moi. Dis-moi dis la vérité. J'avoue, mais j'essaie de faire ça bien quand même. Ce serait dommage. Fais ça bien. Maintenant... Maintenant, tu pousses. Ouais, es... C'est ce qu'on a... ce qu apprend à saint <laughs> Oh là là, ça chante en Bretagne. En moi. Ça va pas chanter longtemps ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est chaud. C'est très chaud la course. The Race. Skim Lam. Je, je suis pas du genre à courir vite. Oh, si. Moi, je te sens, je te sens, je te sens courir vite. Ouais. Courir Et vite. Ouais. Je peux je pas comprends. te bluffer à chaque fois hein. Ouais. Oh, oh, je, je comprends. Ouais, je, ouais. Tu comprends pas quoi Je pensais ouais. que tu ouais, allais prendre mon pionche là. Ben bah, reprends tour, roi G3, ensuite je perds G7, je sais pas, je mets ouais. pas de euh, Mais euh, je suis pas très fan non plus de ce que je vois là. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je crois que je vois. Je suis pas très très fan, hein. puis tu sais que j'ai un peu un coup d'accélérateur euh, grandiose quoi. C'est ce que je veux dire. Je crois que je puis crois toujours machin en village jusque là. C'est vrai. Ouais. T'inquiète pas, ça va pas durer. Oula. Oula. J'ai failli, euh, failli effectuer. Bon. chaud hein. C'est très chaud. Est-ce que tu, Est ce que tu chercherais pas à me le faire croire Ils ont la confiance. Si c'est pas beau ça, moi J'espère, je euh, j'espère que j'ai le droit de confiance. Oh là là, ça, ça marche pas. Hein je crois que que ça va. Tu crois ou t'es sûr J'ai 14 secondes. Je sais que t'as 14 secondes, tu crois que je joue pourquoi <laughs> bon, Je joue le flag hein Il m'a des chèques maintenant <laughs> Ah bah ben ça c'est la meilleure est bon, ça. alors on n'est pas bien, moi je vous le dis. Ah j'aurais dû prendre le pion. Ah désolé mon petit skim là. J'avais pris vous, c'est terrible. Ouais. Mais tu, tu contrôles, tu contrôles mon temps en fait. Ouais, je peux changer, je suis arbitre sur la zone de jeu je fais comme un arbitre normal dans la vie en fait, je change les trucs. Rematch, vas-y, rematch. Accepte, rematch. Ah ouais, accepte, rematch. Allez E4. E4. Droite au but. Tout reprends à deux. Tout marché, tout marché, si je t'ai foutu. Il jouait 6 il joue la Rouser, il l'a dit. Hop Coupé 5. Tiens, elle est belle, ta Rouser. Je préfère la même. KD4 Ah ouais, ça c'est bien ça. C'est quoi. C'est ce qu'on apprenait au moins justement. D'accord. du coup, t'es parti du club. Bien vu. Ouais, effectivement. J'avais raison. Oh, ouais, vraiment, à cause de toi, tu as vu, vous avez vu quand vous êtes avec euh, Heisenberg, à chaque fois je vais me fâcher avec du monde, tu vois, pour rien. Entre Toi qui te plaint de capelles, là. Bon, oh, tu pousses au crime. Ah, tu... Veux... Ah ouais, moi, droit au but. Droit au but. C'est très bon. bon au mieux. Hein. Alors. On va faire ça. Ah je la joue très, euh, très années 60, quoi. Ouais. Tu vois. vois Amiral. Qu'on remercie évidemment. On a Amiral et Heisenberg. Nos deux, nos deux champions. Tour B8. Wow. Eh ben, j'ai une, mais... une menace. J'ai une menace. T'es sûr Non. Et moi j'ai une menace ou pas Est-ce que j'ai une menace Dis-moi. Dis-moi tout. Je, je suis pas sûr. T'es pas sûr Et ça c'est une menace Oh mais tu fais que des menaces. un coup, c'est jamais. Ah oh, le... ouais, y Eh B5 qui arrive là, hein, avec force hein. Ah. Aïe 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 aïe. Voilà. J'ai pas joué au mieux. Ah, je fais n'importe quoi, il me parle. Il me parle tout le <laughs> temps, je fais n'importe quoi. <laughs> je te verrai, excuse-moi. Eh ben oui, non, mais c'est vrai, tu me parles. Injouable. Ouais. Injouable ce qui me à l'a mal parlante. Complètement injouable. Ouais. Oula, qu'est-ce que je viens de faire hein alors là, que on te... Chose on <laughs> va te... Terrible. Ah, t'es pire que moi, en fait. <laughs> c'est sérieux. Ah, mais t'as une belle structure, du coup. Euh, du coup, t'as une belle finale, hein <laughs> Ouais, c'est ça. Écoute... Euh, va... plus, en fait. Ouais, ben, bah, ben... Bah... <laughs> si t'avais un pire de moi, tu serais... Tu serais pas très bien, quoi. T'es déjà pas très bien. Ça, c'est pas mal joué, ton truc. Ok, je vais faire ça. On va essayer de stabiliser un peu tout ça. On va venir par là. Yes. Ah, tu, tu utilises toutes les, toutes toutes les, les ressources critiques. de la position tactique. C'est maximaliste. Tu vois, je protège ma tour, j'ai envie de prendre du fou là en D4. Les ah, tri... ouais, ils, ils sont. C'est vrai sont as, rien, hein. t as, t as encore tous tes pions, mais. Euh... <laughs> j'ai encore tous mes pions, c'est vrai. Mais ça risque de pas durer, si tu veux tout savoir. On se fait les bullettes quand tu veux, d'ailleurs, Zlatan. Oui, bon, c'est bon, Heisenberg. T'es dit qui peux... dit ça non, mais bon. J'arrive plus à mettre, là, sur le petit ordi, j'ai un petit ordi, j'arrive plus à mettre ban, alors que j'ai toujours accès normalement. Ah. Eh bien, mon grand. <laughs> c'est pas joyeux. Eh, dis donc. Non, ben. oh, c'est bien, magnifique. Je, je, je t'avoue que j'aimerais bien que tu me prennes, mais. <laughs> ouais, <mais> ça... <laughs> Je sais pas, c'était pas dans les projets. Et hey, tu t'en retrouvais piège aussi. Putain, hein. c'était bas oh. de gamme, hein. oh, oh Coup de tonnerre <laughs> Coup de tonnerre oh. Incroyable On dirait une frappe de Toveng là. Oh la vache Ça m'arrange pas, ça je me suis pris la seule peau de banane de la position, c'est ça que tu es en train de m'expliquer J'espère que tu J'espère te l'expliquer pendant plus de 51 secondes. Bonsoir. J'ai ah, eu pire. C'est incroyable, ouais. J'ai eu pire. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez! allez. Pff. Encore ces fameux pions. Oh l'enfer! Mais c'est l'enfer! Ah! Hop. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi! Oh, je vais la paumer. Oh, c'est l'enfer. J'espère bien. C'est l'enfer, moi je vous le dis. Oh. Ah, c'est jeunes, ils sont étonnables. Oh. Oh. Je joue plus, j'ai pierre pire paping. puissant, ah c'est T'as vu ma structure Elle a tout défendu. <laughs> Bon, je, je boude. Veux... Vas-y, joue avec. Je trouve toi un autre. Ouais, euh, j'en trouve un autre. Ouais, je boude, je boude. Allez, voilà je m'en voilà. Je boude. Ah. m'en bon, vais même peut-être. Tu boudes déjà, ouais. c'est. Oh, bah ben non, mais là, c'est infernal, quoi. Quoi déjà Avant les bêtes. E3. Ah, ouais, alors attends. Je te fais euh, follow, beau, slash, skimlam. Ouais, on fait des bullettes là. Hein. Ah, et c'est des bullettes après Ok. Ouais. Ah, bah ouais, on va dernière... passer la nuit. Je hein. confirme. Je suis, là, je une en parler, je me suis pris vraiment. la seule combine. Ouais, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ouais, je vois les tactiques. <laughs> je confesse. Ah, bah ouais, bravo. Ah, je sens que je vais être bonne humeur après le port Marley, moi. alors Les deux journées, là, on va se faire arnaquer toute ouais, la journée. C'est pas impossible que je... J'ai dit que je ne serais pas là, mais je serais peut-être là une fois. Je sais pas, j'espère. Pour le rapide, c'est ça Non, plus, plus le bliss, si vous Enfin, les... les deux durent qu'une journée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que quand c'est je... un, le... ouais, un peu ridicule de pas faire l'un sans l'autre. Ouais. Si tu fais le déplacement, bon, je vais essayer de le matcher. Tu bah Là, j'ai joué un peu. Ah, oui, effectivement. <laughs> ah, il, il fait trop chaud dans ce studio. Euh, honnêtement. Euh, je, je ne peux que te croire. J'ai très, très chaud là. Ça ne se voit pas. Mais. Euh... Qu'est-ce que ça dit sur YouTube ouais, Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Et tout le respect du à YouTube, évidemment. Monsieur Fruissiné du Sud, il n'aime pas perdre. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, moi, c'est dire En fait, j'ai. Si mon adversaire fait une bonne partie, ça, me... ça va. C'est quand je... juste que j'ai l'impression de perdre tout seul. Ce qui était quand même le cas là. Oh je t'ai aidé quand même. <laughs> ah, t'es bien encore, Ouais, hein. <laughs> j'ai un pion de plus. T'as un pion de plus. Et ni pion triplé, ni pion doublé. Ouais, incroyable. Une belle structure, cette fois, c'est vrai. Je Salut Léo sur... Belge. Des petits trous sur les gaz blanches. Très évident. Ensuite, on entame les bullets. Ah. La discipline favorite. Oh, amiral, comment il va, amiral ah. Il va nous faire des bullets, amiral. Ouais, contre amiral en je j'ai pas trop peur. Bizarrement, je devrais, mais. Heisenberg, il est bon maintenant en bullet. Hein. Heisenberg. Euh... Ça fait longtemps qu'il est bon d'ailleurs. Ouais, on a déjà parlé, ciel bleu. T'as raté l'émission, hein. T'as raté le début d'émission. On parlait de la belle performance de Mvel à Bucarest. Bravo à lui, on est ravis. Hein c'est bien de. Après un... une déception comme la non-qualification au candidat, c'est bien de rebondir. Toujours très important. J'ai fait n'importe quoi. Avec notamment ce fait étonnant d'en parler, hein les quatre candidats qui jouaient dans le tournoi, qui ont fini quasiment aux quatre dernières places. Bon. C'est probablement. Euh... Bon après le tournoi est très fort aussi. Hein. Des gens comme Wes Les Levon Aronian ou euh, Maxime, ils pourraient très bien jouer au candidat, ils ont leur place. Hein. Personne ne créerait au scandale, hein, c'est sûr. Oh, il dit qu'il a régressé en bullet, hein. Heisenberg. Il est, vraiment, euh, il est vraiment très agaçant en fait. à Capelle, euh, j'ai réussi, à... réussi à me défendre. Mais en, en live oh, Non, non, non. Oh, l... Enfin, on était à côté, mais on était sur nos... D'accord. Nos... D'accord. Chacun sur son ordi, mais dans la, dans la même pièce, d'accord. Il <laughs> pas d'échiquier. <des> <laughs> il a arrêté la Grünfeld. Non, mais ça s'est pas joué sur ça. Il a joué un coup de décad. Il a fait une partie catastrophique contre Aronian. Allez. Mais euh, sinon, il a gagné une bonne partie contre Caruana. Euh, ensuite, contre Richie, il a eu un petit coup de pouce du destin. Hein. Euh, voilà, où Richie a fait une énorme gaffe. Ah, il bon, était d'humeur. Il du à profiter, hein, faut être là pour. Euh... Ouais, C'est important aussi. Il faut en profiter des gaffes. Et ensuite, il a battu Alireza la dernière ronde. Une belle partie de contre. Hein. Bon, J'avais vu, vu plein des parties comme ça de Maxime. Hein, où, euh... Voilà, hein, il est en mode défense, défense, défense. Et puis dès qu'il y a une chance, hop, il l'a saisi. C'est assez impressionnant. Ouais. Je ne l'ai pas vu en live, par mais... contre c'est vrai qu'il a pas fait de Grunfeld, en ce moment il jouait plutôt des Grands acceptés. Bon, il veut essayer, c'est pas mal. ça, on ne pourra plus lui reprocher d'avoir cru le seule... corde à son arc. Bon. C'est ça. À moins que ça soit euh, quelque chose pour encore mieux tromper ses adversaires plus tard. Bon, je m'en suis sorti. Et revenir sur la Grunfeld Oh, est... En parlant de partie de contre, je pense immédiatement à une certaine partie d'Agen. Il va encore nous parler de sa partie contre King of the Nil hein qui, qui lui a donné une pièce avec. Euh... Oh là 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 okay, un... enfer Est-ce que j'ai joué en contre, Jean peux... J'ai joué en contre, c'est vrai. T'as gagné la dernière T'as fait quoi dans la dernière <laughs> La dernière, c'est particulier. J'ai devais... gagné. Mais j'avais je... un demi-point de retard sur Timothée. D'accord. Et, en... Et il jouait... En fait, il était complètement gagnant au sixième coup. Au sixième coup enfin, c enfin, pas au sixième coup, mais très rapidement, il était complètement gagnant. Mm -hmm. Et... Euh... Et je... il a réussi. Et moi, je me suis dit très rapidement, très très égal par des pouvoir poser une sorte de forteresse. J'ai dû forcer, euh, dû forcer euh, en passant par plusieurs positions perdantes et lui a fini par faire nul. Donc je l'ai ah, rattrapé. Wow. j'ai gagné. Le scénario était sympa. Ah, tu as russe. pris des risques en fait consciemment pour, euh... bah, pour le ouais. titre. Quoi. Ouais, je voulais... je voulais gagner. Bah écoute, tout à ton honneur. <laughs> non, mais t'as raison. Enfin, je veux dire, Parce en fait, euh, si tu faisais nul, tu finissais tu combien Je finissais troisième. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu t'es dit 3 ou 10e, c'est la même. Si tu ouais, perdais, tu finissais loin. Quoi Si tu perdais, tu finissais loin, non Euh, bah, si je perdais, oui, j'étais. Si, 7 Après, quoi. je. Ouais. Non, non, euh, je vais. J'ai abandonné Varus, là, parce que. Il s'est fait attendre. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, c'est un gros risque, quand même. Parce que si tu faisais 6 sur 9, je suppose que. Allez, vas-y. On regarde les bullettes entre les jeunes Marseillais qui accèdent au top 12. Viens là, Semislav. Semislav fatigué. Je <laughs> n'ai jamais, jamais joué ça de ma vie, c'est magnifique. Oula, sacré Eisenberg. Il, il fait des choses. Hein. Incroyable. Les jingles doivent ça. pas marcher. Est incroyable. Est-ce que, est que le jingle ouais. a marché là ou pas Je pense pas. Pas sûr, hein, Marc, peut-être ça a marché. Et tu vas la gagner Je me défends. Tu fais plus que te défendre. Mmh. Il a été hardi mais. Il était hardi. Ouais. C'est comme ça qu'on parle à son rire. C'est comme ça qu'on parle à Marseille? Euh, je ne peux pas en dire autant. <rire> <rire> ah mais. Ah, merde On arrive à son domaine de prédilection. C'est quoi son domaine de prédilection, c'est. Les... Le une... Ah oui. Effectivement. Ça se tient. Allez, allez mon petit. Oui, jingle entendu jusqu'en Belgique. Ah ouais, c'était fort alors. Ouais, c'est possible que ça soit fort quand j'ai un invité. D'accord. Oh là là, il est infernal. Oula. Pour oh, la connexion de Limoges. Ah oh, oh, Limoges. Ah Limoges. Bah alors Limoges. Bah, t'as pas réagi avec tes 5 secondes veut... Je lui donne sa revanche, tiens. Il ah non, est... non, 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 attends, non, c'est trop bon de laisser comme ça. Attends, vas-y, donne-lui la revanche, bon, c'est comme tu veux. Et C'est la dernière, ils ont une dernière. Ouais, t'as pas intérêt à perdre la connexion. Ah, c'est extraordinaire, il a perdu la connexion. Ouais. Ouais, d'accord, c'est pas la zone de jeu, là. Euh, je ne crois pas. Euh. Qu'est-ce qu'il m'avait appris y a D5 et B3, non? A B3 d'abord, D5 ensuite. Je sais plus. Je... Ah ouais, C'est malin ça. Ça joue bien. Ça joue fort dans ces bullettes. Ok, il prend D6, ça n'a pas été vu, je pense. Mais bon, Et je t'entends. Plus... Je sais. Mais je te donne les coups. C'est ça. Bah quoi contre Eisenberg. On espère qu'il perd Eisenberg quand même. Ouais. Bah, bon. J'ai oublié que c'était pas un vite. En fait. Ouais, effectivement, euh, t'es pas hyper rapide dans celle-là, mais bon, il peut perdre la connexion. Désolé. Les sports F5, a... tu perds une pièce. Ouh là, vache. Ça va tout d'un coup, t'es pas mal. Ah Non, euh... ça marche pas du tout, mon cher ami. <laughs> non, effectivement. On a posé des questions, mais il a pas répondu. S'il a répondu à tout, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Ça avait déjà été euh, qu ce que je vais faire plus euh, posé. tard. Il sait pas trop. Il aime les maths, notre ami. Allez, hop, il aime les maths et les échecs. C'est ça C'est un bon résumé. Ah oh, Infernal Bon. Ah Ah Aïe Bon Un autre Un autre on terminera. Vas-y, joue contre l'amiral J'ai beaucoup d'Amiral, ça. Oups, le... ah non, 3K. 3K. Oh. Et non. Ouais. Ah, c'est, du, c'est du bullet là. Hein. Ouais, il ouais. sait pas trop. Et il a, il, il va, il, il va avoir 16 ans, hein, vers les 73 Donc euh, effectivement, bon, il a deux ans d'avance, on le rappelle. Ouais. Mais euh, quand même, ça ben quand même. Oh. Oh là là, bravo. Oh, ce qui me lame. Hein. Je lui fait ça, Augustin. Ah eh bah, ben, dis donc. C'est beau, la jeunesse. Ouais. J'ai eu un bug incroyable, nous dit Heisenberg. Oh, arrête, Heisenberg. T'aurais perdu quand même. C'était même pas de la connexion. Ouais, t'aurais perdu, de toute façon, et t'aurait flag. Il n'y a jamais de bug <rire> ici. Il <laughs> n'y a que oh, des là, bugs là. incroyables, en fait. Il n'y a pas de bugs normaux. Il si promet ce jeune, ouais. Il promet ce jeune, ouais, c'est sûr. Oh, ok, il prend V2, bravo. Je vois rien, c'est sérieux. Ah, c'est dur, hein? C'est pas facile. Oh ok, Le les deux. Oh. oh là là. <laughs> Puis Amiral, il doit ricaner bêtement chez lui. Bon. Ah, il doit être content. Hein. Il peut. Merci pour les games, nous dit Eisenberg. Wow, oh là là. De rien, incroyable. de rien surtout. Entre coups équipier. Je t'en prie. Vous envoyez des fleurs. Bon. Et il joue vite en plus Amiral, il est incroyable, hein J'ai le droit à lui prendre une première revanche Ouais, vas-y. Après, après ouais. je te défie. Voilà. Oh Ça on là, va me faire ferme. un peu mal. Hop. J'attaque. De rien. Quand même pas! <laughs> J'ai ce que je voulais. Donc, tu veux pu jouer cavalier H5 pour la blague? <laughs> non, je veux pas faire des... Je, je veux égaliser. Non! Cavalier H5 en... après, après D5 et C3. Ah oui! Ah. Ouais, je fais quelques bulles ouais, t'inquiète. Je fais quelques bullets contre ce qui me la tiens d'ailleurs. Il, il va me ah défier. Pff, je joue mal ce soir. Si c'était que ce soir. Je suis pas particulièrement flamboyant. Ouais. On peut le dire comme ça, ouais. Ça va. Dame des trois, normalement. Sacré amiral. Quel grand naïf! Oh bah oui. Allons-y. Je suis tombé à, à plat avant Ouais. Pas terrible ce que t'as fait. T'as encore ouais. B4. B4, faut B5. Parce que là, euh, ouais. Oh Joli Ça, il a pas vu Amiral. J'espère bien. T'as pris vous dame G3 Non. J'aurais pu. Ouais. Oh, oh, oh. Non Magnifique <laughs> Mais non Amiral C'était math C'était math h 7 Ça maintenant oh là... Tu peux compter sur moi Amiral Oh là 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 Ouais, bah ouais je te défie. Me défi Ouais. Attends mais il faut que j'arrive pas à te défier. Ah Mathieu Pocas. On va. Désolé. Mais... Un camarade de Marseille. Toi. Ah ben bah, un camarade de Marseille vas-y. Et après je te joue. Ah mais il est pas premium. Ah ça va pas être ça. Oh, vas-y pour un bullet. Ah c'est un camarade de Marseille. Ouais, euh... On fait le... L'invité allez, allez, a toujours le droit à un petit... Euh, voilà, quand hey, on euh... ouais. fait un... Ouais. t'as raté alors. matin 1, Amiral. T'as pas honte, franchement. Voilà. Tu jouais que pour ça, en plus, depuis le départ. Il fait pousser deux dames des trois pour avoir la batterie. Maintenant, ouais, il ouais. y a matin 1, il le voit pas. Oh, C'est extraordinaire. Parce -ce que j'aime pas cette position. Alors, c'est qui ton camarade de Marseille euh, Juan, il s'appelle. Juan Juan, ouais. D'accord. Ou Gian, selon, selon les. <laughs> Allez hop. Allez hop. Hop. Oh misère Damage 7, eh ouais. T'as joué que pour ça, Amiral, c'est incroyable. Est-ce que tu joues E4 ou D4 euh, en partie longue, tu joues les deux Moi Ouais, ou t'as une claire euh... ah, je suis joueur de D4 moi. Je de D4, d'accord. Ce n'est plus un secret pour personne. Et eh bien moi aussi. Je Pourtant, j'ai commencé, euh, commencé par E4. Hein. Moi aussi, mais ça fait un petit bout de temps que je suis passé à D4. Ah non, moi, je, 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 moi, je suis devenu grand maître avec E4. Enfin, je veux dire, je jouais E4 exclusivement. C'est plus que commencé. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai même, même eu 2600 avec E4. <laughs> c'est après où le changement est intervenu. Ah, alors... Mais ouais, c'est avec l'âge. Mais toi, ouais, c'est un tôt. J'ai commencé D4 à l'âge de 7 ans. Oui, non Prometteur. Euh, hop, on va être expliqué. Oh. Pourquoi je te bats en bullet, C'est bizarre quand même. T'es bien meilleur que moi. Bon, vas-y, on joue. Tu me défies Tu me défié Non, je sais pas, quoi... j'arrive pas à le faire là, sans perdre la, la vue de, du truc. C'est un peu chiant des quatre, ouais, mais justement... C est, c est... Sur ce, bonne soirée, mon cher amiral. Bon, bon surène. hein. Bon surène. Ouais. Il y a surène, là, amiral. Normalement, je t'ai envoyé. Amuse-toi ah, bien à hein. oui. Allez. Oh, c'est pas possible. Hein. Faut je tourne Tu me dis quand tu y es arrivé C'est bon, j'y suis, vas-y. C'est bon. Allez, 4. Allez, au 5. Ah ouais. C'est toi, ça C'est moi. Bon, ça, c'est moins toi, quand même. C'est la prépa d'agent. Voilà. Ça, c'est la prépa d'agent C'est la prépa d'agent, d'il y a 5 ans. Ah. Tu peux juger de la qualité. Ouais, c'est pas mal. <laughs> T'as vu ça Ça me plaît, tu vois pas ouais. <laughs> Encore... Encore une fois. C'est pas grave, il change les dames! Tu sais bien que tu vas me flaguer. Oh là là, il change les dames en plus. Super. Ah, je comprends mieux pourquoi je te barbulette. <laughs> tu... tu comprends. Non, ça c'est pas terrible. On va faire ça, tiens. Euh. je joue plus vite. J'avoue que je reprends espoir. Tu peux. Reprends espoir, mon jeune ami. À toi la structure. Oh. Ah, ça c'est moi, je... moi aussi, je reprends espoir en voyant ce coup. Voilà, j'ai encore faire flag, c'est terrible. Yes. c'est pas possible j'ai 14 Mais pièces de plus c'est hyper nervant ah 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 oh, oh. oh. qu'est-ce que je peux être lancé c'est extraordinaire C'est extraordinaire d'être aussi lent. C'est vrai que t'étais pas obligé de prendre. Et ouais, c'est la différence entre la d les dames et les échecs. Ouais, j'ai appris ça hier, j'ai du mal. Eh ben, pour terrible ton truc. Oh, là là. Si tu Oh, la petite finale. Oh, celle-là. Ça avait bien marché tout à l'heure. Vraiment n'importe quoi. Ouais, ce que là, ça marche n'importe quoi le pauvre garçon <laughs> ouais c'est pas bien hein j'adore oh. ça vole Ah c'est veux... la masterclass. Hein. Ah c'est la masterclass. Allez vas-y. Oh là Regarde là oh, Siana Oh là mince Oh mince, oh, mince. Oh, mince. Oh, là. Oh, mince. <laughs> Il fait le... Évite, évite de Si S'il en fait, fait le retour rapide, je te, je te raconte pas, on est très très mal. Hein. Salut Siana. On a beaucoup parlé de toi à... ce soir. Mais je... forcément, on parle de Marseille, ouais. c'est normal parle de Marseille, euh... parle de Siena évidemment. J'ai bien aimé la première. Ah ouais, d'accord. J'avais pas fait ça la première fois. Non. Mais c'est pas grave, tu perds la mémoire à ton âge, écoute. Euh... <laughs> ça peut pas être beaucoup plus grave ensuite, c'est ça l'avantage. La... On a parlé, euh, on a dit beaucoup de bien de Siena ce soir. C'est vrai? Ah On n'a pas arrêté. C'est vrai, hein? Par contre, je suis d'une lenteur, c'est abyssal. C'est vrai. Aussi. T'as vu? Je ne sais pas comment tu m'as mis 6-0 quand même. Parce que... Ouais, mais écoute, euh, je joue tes coups. Me ah ouais! Droit de ton but! Ça risque de marcher en plus! Terrible! Ouais, Repli défensif! Ouais, c'est bien! File tout! File oh, tout! Tu nous fais, fais un repli défensif à la Adil Rami là! Je, je coulisse! Oh merde!

une nouvelle dans le monde des échecs, qu euh, voilà. Qu'il allait faire, voilà. Scruter ça, vous, vous verrez, vous verrez que c'est une nouvelle quand même. Ça ne passe pas rien. Euh, voilà. Euh, bon, écoute, euh, mon cher Skimlam, bravo. Tu vas, tu vas, tu vas casser le moral. Euh, oh, rien. Je reste le matin hein, avec le petit. Euh... Oh, c'est pas vrai. <laughs> non, ouais. mais franchement, euh, moi j'ai passé un très bon moment. J'espère toi aussi. Moi aussi. Super. merci beaucoup pour l'invitation bah, bah, merci, merci beaucoup à toi d'avoir accepté d'être venu c'est vrai qu'on se connaissait à, tra à travers le chat mais assez peu en vrai on s'était vu dans cette belle ville d'Agen encore une fois euh, tout, tout l'année euh, dernière mais euh, à part ça on se connaissait pas donc c'était euh, vraiment un grand plaisir, j'espère que vous avez au prix autant de plaisir que nous et on, on, on leur souhaite une excellente soirée euh, chers bah, oui quand même quand même, ils ont été gentils. Mais so, à tout le monde, sauf Eisenberg, parce qu'on passe, on peut pas passer une bonne soirée à Limoges. je crois que je vais, ouais c'est vrai. Mais bon. ouais, les bonnes soirées, non moi je suis À tout le monde. Ouais tout le monde. Bon. Mmh.